You're listening to Game Music Radio, brought to you by RPGamers.net. Allez, bonjour tout le monde et bienvenue à la suite à Doctopath Traveler, à toujours dans les chapitres 1, ma foi. Ah, peut-être qu'on en sortira un jour. On va se diriger vers le cinquième personnage maintenant, qui s'appelle Ophelia. Apparemment, ce sera une demoiselle à la nouvelle waifu du groupe. On va foutre Primrose au placard, on sait pas trop. Et salut Suirag, comment ça va? Et du coup, bah, j'espère que qu'on va avancer un peu plus vite. J'ai envie d'y croire. Peut-être qu'un jour, on va réussir à faire deux chapitres dans la même journée. C'est possible. Du coup, ce matin, j'ai triché un peu. Je suis parti faire des quêtes annexes. Et piller absolument tous les villages qu'on avait déjà fait, tu vois. Comme ça, je vais taper plus fort. Et j'espère que ça permettra d'avancer plus vite. J'ai même pu voler, tu vois, les machins, les équipements pétés où t'as que 3% de chance de réussite. Parce que j'avais les points de sauvegarde à côté. Et je me suis un peu acharné, on va dire. En termes d'accessoires, maintenant, j'ai des trucs, mon gars. Ça vaut le détour. Hein. Ça vaut le détour. Et même les armes et tout. Je me rappelle plus à combien je tapais, tu vois, hier en arrêtant le stream. Mais je pense que ça c'est plus comparable. en plus, elle commence à contre-attaquer et tout maintenant. C'est vrai qu'elle avait sa nouvelle compétence. T'es sur Super Robot Tyson. C'est lequel le A? C'est quoi A? C'est Advance? Super Robot Tyson GBA? Mais du coup, voilà, normalement, ça devrait aller plus vite. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'utilise pas mes bouboules. À l'exaltation. Mais il faut. Le remake Advance sur PSP, ils en avaient fait un remake sur PSP, oh mon dieu. Je suis tellement, tellement à la rue. Donc là, j'imagine qu'il faut aller à l'est, c'est ça? Don des flammes. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. On va essayer. Au pire, on va se faire poutrer la gueule et c'est pas grave. On se mettra en PLS très subtilement. Alors, il y a du monde, hein. Si je leur mets deux patates, est-ce que... Ouais, ça tue en deux coups. C'est toujours bon à prendre. Par contre, est-ce que je vais le faire sur tous? C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais attendre le prochain tour. En attendant, lui, on va le... On va tous les stunner en fait. Comme ça ils jouent pas. Voilà. Allez hop, allez vous faire foutre les noobs. Nous on fait la bataille. Quoique il est dans le rouge, non il va mourir. Non il meurt pas. Ah le salaud. Tu vois, je pensais qu'il allait mourir quand même. Elle aurait pu faire un effort. Non toujours pas. Si c'est bon quand même. Ok. Mais ouais. Les
Les Super Robot Tyson, il y en a pas qui sortent cette année, je crois. Parce que... Ah, c'était quand le dernier qui est sorti, je me rappelle plus. Il date de quand le dernier Super Robot Tyson? Ah bah ouais. Paquet de peau de griffes et de défense rare. Ok. Contrairement à la plupart des autres marchands, ce chasseur de haute volée préfère encourager ses clients à apprécier les dons de la nature plutôt que de les considérer seulement comme des sources de revenus. Alors lorsqu'il s'installe quelque part, il ne vend ses prix qu'au locaux. D'accord. Ah, qu'est-ce que je peux te voler? Défense géante. Utilisée lors des rites de passage. Ah, ça c'est pour une quête annexe dans le village. Et habit du vent, vas-y. Ah, ça marche pas. Dame Ned. Vous échouez deux fois, votre réputation en pâtira, ok. Non? Mais c'est 80%. Vas-y. Ah, va te faire foutre. Ah, merci. Voilà, parce que les armures de vent, c'est assez cheaté, hein, il me semble. C'est où? Voilà, ça augmente la vitesse et tout. Ah, pas l'esquive, par contre. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Après, pour les autres, gilet de bronze, il y en a un. Habit du vent, ouais, et ça. Un gilet de fer. Donc c'est mieux que le bronze, on est d'accord. Ok. Alors, je vais continuer jusqu'à la prochaine ville et de toute façon, les quêtes annexes, je m'en occuperai hors stream, je pense. Ah, lui, il est sorti récemment? Ah ouais? Quand ça? Allez, on va le dégager, le cochon. Parce que... il va être chiant. Ah, 29 mars! Ah ouais? Ah ouais, ça fait pas longtemps. Ah, tu vois, j'aurais pas dit. J'étais persuadé qu'il y avait pas eu de Super Robot Tyson depuis l'année dernière. Ah, n'importe quoi. Ah bah, comme quoi. Hop. Ok, et lui, ah, il va mourir aussi, non? Ah, même pas. Ok. En tout cas, je suis content parce que j'ai vu hier, il y a Grand Blue, le jeu de CF par Platinum et tout. Ah, le gros RPG issu du jeu smartphone. Il aura une trad en FR. Ah, ça, c'était pas forcément gagné, même si le jeu il a l'air d'avoir pas mal de gueule. Et Ouah, monde enneigé, ah, trop bien. Ah, du coup, là, on va avoir des effets de lumière dans tous les sens avec la... C'est pas de la neige, c'est des paillettes. Ah, mon Dieu. Ah, par contre, c'est dur de savoir là où tu peux aller ou pas. On sait pas trop. Alors, attends. Un friche nord de Don des Flammes. Et donc, le Don des Flammes, c'est dans la neige? Comment ça se fait? C'est bizarre. Mais du coup, ouais, le jeu, grand peu, ils vont le montrer en décembre. Ah, ils vont pas le montrer au Tokyo Game Show, tu vois, comme je pensais. Ah, du coup, j'ai hâte. Ah, je le vois bien arriver, genre, en mars 2019, c'est un truc comme ça. Ah, ce serait tellement stylé. Je sais pas si tu le connais, Grand Blue. Parce que mine de rien, il y a pas mal de monde qui en ont jamais entendu parler, en fait. Là, je crois que j'ai pas encore donné de coup de hache. Ok. Hop. Ah, par contre, il leur faut 3 coups pour les sonner, ceux-là. Ah, que de nous. Ouais, ils ont fait une présentation déjà... Ah, c'était quand? Il y a 6 mois, 1 an à peu près. Oh mon Dieu! Ah, je peux pas faire d'exaltation. Ah, c'est terrible. Ok, lui, il craint la hache. Très bien. Mais là, ça risque d'être compliqué, non? Euh...
pourrais faire deux exaltations pour le mettre en PLS, mais ouais, il faut que j'en tue au moins là, pour me faciliter le travail. Ah, je pense que là je vais gagner pas mal d'XP parce que quand tu changes de zone comme ça en général. Ah, ça il va. Ah, bah il est presque mort. Voilà, c'est bon. Ok. Ah, par contre, faudrait soigner madame. En option. On va tabasser le loup. Ah, je pourrais le capturer aussi. Alors attends. Je vais soigner madame. Faudrait que je les capture. Ah, parce que là, ils doivent être plus forts ceux-là. Par rapport à ceux que j'avais avant. Alors attends, je lui mets une patate. Voilà. Et comme ça, après, je pourrais lui en mettre deux. Ah non, puis on va le sonner. On va le bourrer un peu jusqu'à ce qu'il soit rouge. Ah, il est jaune déjà. Ah, il risque de mourir, mais je tente quand même. Ouais, il meurt, c'est pas grave. Ah, de toute façon, on va y avoir plein de combats, je pense, hein, donc... À niveau capture, j'ai le temps de voir venir, normalement. Trois, ouais, ça devrait aller. Alors attends, on en est où? Ah, il est rouge! Alors attends, ah, je vais tous les mettre en défense. Ok. Voilà, et comme ça je peux le capturer. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. À 100%, ouais! Ah, fais-moi des glaçons! Oui, je le veux. Alors. Ah ouais, il est à 4 lui. Donc le gorinet, c'est d'huile, on va le garder. On va peut-être virer le renard des forêts. Voilà, casse-toi. Et du coup, ouais, Grand Blue, c'est une espèce de action RPG en cel shading, tu vois. Ah, le procédé qui rend en dessin animé que les développeurs Jap ne veulent pas utiliser sans que personne sache pourquoi. Et du coup, ça a l'air tellement bien. Il y avait eu un animé d'ailleurs, Grand Blue. À niveau de danger 25, ouais, non. Je vais pas y aller. Je vais pas y aller là-bas dedans. Laissez-moi tranquille. Mais là, ouais, faudrait que je bourre vers le village histoire de récupérer le perso. Parce que c'est... Là, j'ai pas les persos qu'il faut, en fait. Pour faire face. J'ai deux gars à la dague, ça sert à rien. Parce que là non plus. Ah, sinon je pourrais faire aptitude de chasseur. Non, connaissance. Voilà, appel des bêtes. Faudrait que j'utilise un peu tous les gars que j'utilise jamais. Genre la multi-attaque, vas-y. Ok. Donc là il lui en faut deux pour le stunner. Je vais le stunner tout de suite. Ah ouais, et le loup, faut que je le capture. C'est vrai, il faut pas le tuer, le loup. Alors, bah, il mourra pas. Ah si, il meurt. Merde, ah, je tape trop fort. Ah, c'est terrible. Ok. Et eux, on s'en fout, on peut les tuer, par contre. Il n'y a pas de problème. Ah, si je sonnais les deux en même temps, tiens. Alors, on va se faire ça. Ah non, mais ça tape qu'une fois quand même. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est juste qu'il tape plus fort en fait. Ok, ok. Ah bah ça me tue. Ah, c'est toi qui as de l'orage, ouais. Bah là, ça va... Ça va tomber pas mal, hein, les orages en ce moment. Ah, vu que bah il fait bien chaud, ah, du coup il y a juste besoin d'un petit courant d'air froid et c'est parti. Mais là ouais, moi je serais pas contre un orage là, ça permettrait de faire tomber un peu la température. Ah, ce serait pas plus mal parce que là il recommence à faire super chaud, super sec, tu sais. Ah, c'est... Ouah, c'est quoi cet homme requin poisson de glace avec une queue? Ah, je le veux dans ma team.
L'homme lézard des glaces. Ah, il craint pas les dagues. Ok, tu crains les épées non plus. Lâche. Ah, lâche. Ok. Et du coup, l'arc. Non, pas l'arc. On arrive aux gars qui craignent pas grand chose. Et si si je fais ça sur tout le monde. Ah mais non, mais ça va le tuer. Enfin, quoi que. Enfin, faut se débarrasser de bonhomme en fait. Il y a pas d'embrouille. Mais là ici ça craint le feu, je pense. Ok. Alors ouais, mais là je fais qu'un seul bonhomme le feu. En plus il tape pas fort en magie lui. C'est un mage qui sert à rien. Ah putain. Il faudrait des attaques physiques élémentaires. Je sais pas si ça existe. Mais ça aiderait pas mal quand même. Alors attends. Qu'est-ce que je fais? Ah, je bourre comme ça. Je le bourre lui. Allez. Ok. Il en est où lui? Ah, je l'ai tué. Damned. Après, faudrait que je me soigne là pendant. Ah, pendant l'exploration. Faut que j'aille dans le menu pour me soigner. Ok. Ah voilà. Allez, je vais me soigner. Et du coup voilà, ouais, avec Alphine, tu vois, je vais avoir moins de problèmes de MP aussi. Parce que j'ai trouvé un accessoire qui lui donne 80 PT en plus. Ça veut rien dire. Ah ouais, ils ont fait des level up quoi. Donc tout va bien en fait. Donc là on va par là. Après ouais, on a aussi eu les chiffres de Captain Toad. Les répartitions des ventes entre les versions Switch et les versions 3DS. Mais du coup bah, tu vois que plus personne en veut de la 3DS. Malgré ce qu'ils essayent de nous faire avaler là chez Nintendo. Parce que du coup la répartition des ventes c'est 93% sur Switch et 7% sur 3DS. Ça veut tellement rien dire. Alors. Ah ouais, c'est qui mon autochtone? Elle fait de la lumière mon autochtone. Ah vas-y, viens faire de la lumière. Illumine-nous. Ah non, elle fait des attaques mid. Un Damned. Moi je vais pas faire des glaçons, je vais attaquer un loup. Je vais en coller deux. Est-ce que je peux le capturer? Ouais. Ah vas-y! Ah, capture le loup. Oh oui. Alors, 7, il fait de l'épée. Pour voir ses aptitudes. Un griffe narcotique. Ah, ça peut endormir alors. On va virer la marmotte. Hein. Et hop. Ok. Non, ça sert à rien de faire ça. De toute façon, je peux faire du feu sur le loup aussi. Mais ouais. Bah du coup, elle se vend. La 3DS, elle se vend plus qu'aux États-Unis. Sans que personne comprenne pourquoi, tu vois. et c'est pour ça qu'ils continuent à balancer des petits portages et des remakes, tu vois. Parce que t'as plus de nouveaux jeux sur 3DS. Hein. Tu regardes la liste des sorties, c'est. Bah t'as le démake de Luigi's Mansion, hein, du premier. Alors tout le monde attendait un remake sur Switch, tu vois, ou une suite. T'as quoi d'autre? Je crois qu'il y a Mario et Luigi encore qui va arriver. Je sais plus. Il me semble qu'il y en a un autre hein, qui va être porté. Mais du coup, bah, ils ont tous les assets du remake d'avant.
Et puis bah du coup t'as Captain Toad, tu vois. Le D-Mec de Captain Toad. Mais bah personne en veut parce que bah c'est de la merde. C'est de la merde. Mais les gars ils continuent de... Ah, de balancer les jeux dessus, tu vois. Et surtout, le plus inquiétant, c'est que bah, il parle. Maintenant, il commence à parler d'un successeur à la 3DS. Alors que bah, pendant le lancement de la Switch, ils ont dit oui, oui, non, mais ça, on va tout unifier. De toute façon, on n'aura plus qu'une console. Ah, c'est pour ça qu'on fusionne les équipes de développement console de salon et console portable. Et puis bah finalement, maintenant que la 3DS elle est en PLS, que la Switch elle a fait son trou et qu'ils ont eu tout le monde, maintenant ils commencent à dire ah ouais non, finalement allez vous faire foutre, on va quand même faire une nouvelle console portable. Du coup bah la Switch, ça devient une espèce de console de salon par défaut, qui a deux générations de retard, tu vois. Techniquement. En termes techniques, j'entends. Parce que la Switch, elle se place en face de la PS5. Ah, faut pas l'oublier. Hein. Ah, salut gamer, comment ça va? Et concrètement, bah, ce sera toujours rien de plus qu'une Xbox 360 boostée, quoi. Et salut MacLeo, comment vas-tu? Ah, des hommes lézards. Est-ce que je vais réussir à en tuer un? Non, à en capturer un sans le tuer, justement. Il y en a deux types. Il y a le 1 et le 3. On n'a pas vu le 2 encore, je crois. Alors attends, on va essayer de trouver à quoi il est faible celui-là. Mais j'imagine qu'il est faible à la hache aussi. Peut-être à l'arc. Non, pas à l'arc. Ah, du coup, on va se diriger vers une nouvelle waifu. Ah, j'ai oublié son nom. Attends, je regarde après. Mais c'est le village à l'est de la forêt. Là où on a eu Anit. Bon, j'imagine qu'il craint le feu. Non, même pas. Ah, il craint pas le feu, lui. Il craint rien. C'est quoi ce bonhomme? Ah, viens là, autochtone. Fais de la lumière. Merci, autochtone. Non, c'est pas de la lumière non plus. Et tu vas pas me dire qu'il craint la glace, quand même. Ça aurait aucun sens. Non, ça marche pas. Ça marche pas. L'éclair. Il a encore toute sa vie. Hein. Il doit être fort. Hein. Ah, il craint l'éclair. Ok. On va y arriver. Oui, je dis 360, mais c'est pour qu'on s'identifie par rapport à la gêne, quoi. Après, ouais, c'est... Ah, si on prend la puissance pure, la PS3 est au-dessus, donc ce serait forcément... Ah putain, mais je tape beaucoup trop fort. J'arrive pas à les capturer, c'est terrible. Par contre, lui, il a un truc, là, je sais pas trop ce que c'est. Donc je vais... je vais attendre encore. Quoi que... Allez, vas-y. Ok. Je vais bien réussir à en capturer un. Ah bah non, mais connasse! Ah, le toctone! Ah, bravo! Ok, ça tape fort quand même. Bon, est-ce que je peux te capturer? Ouais, c'est bon. Enfin! Enfin! Oui! Alors, c'est un lancier. Un double frappe. Ok. Ah, j'ai un lancier là-haut aussi. Ah, du coup, on va le virer, hein. Même si on peut l'utiliser plus de fois. Ah, tu t'es pris deux chèques cadeaux de la Fnac. Ah bah, c'est cool. c'est cool. Mais du coup, ouais, la Fnac, il faut en profiter. Hein. Parce que il y a genre 2 ans... Il y a 2 ans, ils avaient augmenté leur tarif de ouf, tu vois. Et non, c'était il y a 3 ans. Et du coup, pendant un an après, ça valait plus rien, quoi. Ça valait pas du tout le coup d'acheter chez eux. Et là, ça fait depuis un an à peu près qu'ils ont...
qu'ils ont cassé leur slip là et qu'ils font n'importe quoi avec les prix. Donc il faut en profiter pendant que ça dure, hein. Clairement. Ah, il craint le sceptre. Ah, j'ai pas toutes les armes encore. Alors attends, je vais essayer de le capturer, lui. Parce qu'il me semble que je l'ai pas capturé, celui-là. Ah, c'est l'homme lézard 1. Alors, est-ce que je l'ai? Ouais. Est-ce que je l'ai, l'homme lézard 1? Non, je l'ai pas. Hein. J'ai que le 3 pour l'instant. Il me faut le 2 encore. Il a l'air un peu lotière, celui-là, quand même. Hein. Ouais, il fait juste une attaque bidon. Oh, je pense pas que je vais le garder. Hein. Casse-toi. Hein. Et bah du coup après tu vas sur le site de la Fnac, ah, tu fais tu vas sur le jeu que tu veux précommander, tu le précommandes et au moment du paiement, juste au-dessus des cartes bleues et tout, t'as tout ce qui est chèque cadeau, carte cadeau, tout ça, et tu les utilises à cet endroit. Voilà, mais du coup là pour l'instant ce que t'as c'est des cartes cadeaux, si je dis pas de bêtises. Et les chèques cadeaux, tu les auras plus tard quand tu auras eu tes jeux et compagnie. Faut pas confondre les deux en fait. Alors. Qu'est-ce que je fais? Je le bourre lui. Hein. Ah, c'est encore un 1 en plus. Ouais, il est nul. Hein. Casse-toi. On va le tuer. Ok. Bah ouais. Après il périme le 31 juillet. Donc t'as quand même un peu de temps pour les utiliser. A pas peur. Mais il faut bien penser à tout utiliser avant le 31 par contre. Ah sinon Ah ce serait dommage quand même. Bah ouais. Mais du coup, tu vois, tu peux aussi, si t'as envie de pousser l'arnaque jusqu'au bout, tu peux faire des précommandes bidons, et après tu les annules, et du coup, bah, le pognon de ta carte cadeau, ça devient des chèques cadeaux. Et les chèques cadeaux, après t'as un an pour les utiliser. Ah putain, mais c'est tellement une passoire là leur système. Tu peux faire n'importe quoi avec, hein. Et ça marche, hein. C'est ça qui est beau. Mais bon, après l'intérêt il est assez limite quand même, vu que de toute façon maintenant les cartes cadeaux comme ça, bon, ah ça c'était utile, tu vois, quand ils faisaient les cartes cadeaux, tu vois, juste à la Saint-Valentin. Mais maintenant, ils les font tout le temps, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à faire ça. À les transformer en chèque cadeau derrière. Ça sert plus à rien. Ils le savent très bien et je pense qu'ils doivent, s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Hein. Parce que... Ah sinon il laisserait pas passer ça. Ou alors c'est les gens qui en profitent après ces quantités négligeables, peut-être. Du coup ils s'en foutent. Je sais pas. Je t'avoue, j'en sais rien. Ah dingue d'un. Ah digue d'un. Ah mon dieu. D'accord, et moi je vais où? Moi je vais pas au nord. Ah c'est une nouvelle ville en haut. D'accord. Donc à chaque chapitre en fait il y a des villes. Tu crois que c'est ça? Donc il y aurait 24 villes. Oh mon dieu. Non, c'est pas ça. Et moi, je suis censé aller au sud. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est sûr. Après, faut faire tomber Amazon, mais faudrait pas non plus qu'ils se mettent en banqueroute pour... juste pour faire concurrence à Amazon. Ah, ce serait un peu débile quand même. Ouais, mais il y a plein de nouveaux mobs. Comment ça se fait?
Ah bah du coup on va tester un peu tout ça. Ok. Bon, ils font pas très mal. Ça va. Ils ok. Ah, je l'ai tué. Ah, ça contre-attaque. Et l'écureuil là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Non plus. Allez, un petit coup de hache, ça va marcher? Non, même pas. L'arc? À l'arc, ça marche. Ok. Enfin, comme ça, je pourrais le capturer. Il est en jaune, donc j'ai plus le toucher. Clairement. Bon, on va l'affaiblir un peu. Histoire de. Ah, il est en rouge. Ah, je peux tous les capturer là en fait. Alors attends, on va se faire celui-là aussi. Mais je pense qu'ils doivent être un peu lotiers ceux-là. Chance de capture 100%, le 3 je l'ai déjà. Le simple je l'ai, je crois. La marmotte je l'ai pas encore. Ouais, vas-y. Alors, c'est un épéiste. Donc le goré je le garde. Lui il fait quoi déjà? La multi-attaque. Ok, toi tu fais quoi? Taillade. Et là j'ai un loup qui fait déjà épée. Alors du coup je vais m'en débarrasser. Ouais, vas-y. Ok. En fait, je suis con, mais avant la capture, tu dois pouvoir regarder. Allez hop. Non, il est même pas mort. Ah, le salaud. Achiné. Ok. Mais du coup, ouais, en parlant de concurrence, de pognon, tout ça. Ah, j'ai vu ce matin, il y a Ubi qui a fait son bilan trimestriel. Ah, ça va, les gars, ils sont pépères. Hein. Je sais pas où je vais. Ah, là, je suis en train de partir à l'est. C'est pas ça. Faut que j'aille au sud. Et du coup, les gars, ça va, ils se sont fait 400 millions au calme, hein, quand même. Mais il y a pas mal de trucs intéressants, quand même, dans leur bilan, au niveau des infos. Parce que du coup, je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais il y a genre une semaine, il y a eu une news comme quoi ils ont reçu 1,58 million d'euros de l'Allemagne pour qu'Ubi puisse s'occuper des mises à jour de Far Cry 5. Voilà, 1,58 million d'euros. Il n'y avait pas d'autres studios qui auraient pu avoir plus besoin de cet argent. C'est chaud quand même, c'est chaud. Ah, putain. Il doit tellement y avoir des développeurs locaux, tu vois, allemands. Je crois qu'il y en a pas mal qui font des point and click, tout ça, tu vois. Qui auraient bien besoin d'un petit coup de pouce. Et eux, non. Ah, l'État, il file le pognon à Ubisoft. Pour faire des mises à jour de Far Cry. Ah, du coup, ouais, après, ils se ramènent. Hop, coucou, c'est nous. Regardez, on a fait un trimestre record. 400 millions, ouais. Et puis, dont 1,58 qui vous appartiennent. Allez vous faire foutre. Voilà, parce que du coup, quand c'est les États qui donnent du pognon comme ça aux boîtes de développement, on rappelle, c'est de l'argent public, donc c'est ton pognon. Enfin, on n'est pas allemand, mais du coup... Ah putain, je suis pas sûr que les Allemands, ils soient contents de donner du pognon à Ubisoft, quand même. C'est un peu chaud. Mais là, tu parles de leurs jeux qui se vendent bien, mais même pas. Même pas.
Parce que The Crew 2, qui est sorti, qui est leur grosse sortie de la période, ils en ont pas parlé. Hein. Ils en ont pas parlé. Quand un éditeur il parle pas de son gros jeu qui vient de sortir, c'est que ça sent pas la rose. Et là, il y a même eu la confirmation parce que. Hop. Il y a eu une mise à jour de l'article sur Gamekult. Et du coup. Ils ont dit après coup que c'était à peu près au même niveau que le premier The Crew, qui avait pas fait un bon départ. C'est un peu un euphémisme de le dire. Alors, le premier The Crew, il avait décollé après. Avec l'arrivée des mises à jour et tout, qui corrigeaient les problèmes du jeu. Enfin, qui corrigeaient les problèmes du jeu. Si seulement. Mais qui rendaient l'expérience moins pire, on va dire. Et du coup, en fait, concrètement, ce qui a rapporté du pognon, là, en dehors des subventions des divers états de différents pays, c'est les DLC et compagnie, tu vois. Les jeux services, genre Rainbow Six et For Honor aussi, à ce qui paraît. Et du coup, ils ont fait 75% de leur chiffre d'affaires avec le démat. Et tu vois, c'est pas étonnant, hein, on en parlait l'autre jour. Mais du coup, les gars, ils se font largement plus de marge avec les stores en démat, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. À Ubi, ils ont leur propre boutique sur PC, ils ont Uplay. Et sur console, t'as pas les magasins et compagnie au milieu, donc... Ils ont pas à produire les boîtes, tout ça. Ah, ça permet d'envoyer la max, hein, clairement. Ah, est-ce que ça sert à quelque chose que je capture encore des trucs? Moi, j'en sais rien. Je pense pas. Ah, il fait quoi, lui? Multi-attaque à la lance. Je vais voir. Est-ce que ça pourrait me servir? De toute façon, lui, il va... Il a quasiment plus de trucs, donc je vais le remplacer. Donc voilà. En même temps, vu que j'ai pas de lancier dans mon équipe, ce sera mieux. Bah oui, voilà. Exactement. Bon, après, t'en as qui avancent que du coup, en démat, c'est normal que ce soit plus cher parce que tu aurais le coût d'entretien des serveurs. Ah putain, alors ça, tu vois, à l'époque on disait, les éditeurs eux-mêmes, à l'époque où ils expliquaient pourquoi les prix en démat c'était les mêmes que le prix maximum en magasin, c'était parce que sinon les magasins allaient les boycotter et refuseraient de distribuer leurs jeux, tu vois. Donc ils mettaient les mêmes prix pour bien s'entendre avec les magasins. Et maintenant, tu sais pas d'où ils ont popé les fanboys, mais du coup, maintenant, ils se ramènent en disant que c'est à cause du coût des serveurs que les jeux, ils sont plus chers en démat. Ah, c'est chaud, quand même. C'est chaud. Les gars, ils ont pas de cerveau, quand même. C'est chaud. Ils réfléchissent pas à ce qu'ils racontent. Mais ouais, alors du coup après derrière tu comprends pourquoi les gars ils veulent aller à fond dans le jeu service, hein. Alors, quand tu vois qu'ils arrêtent pas de faire péter les records, qu'ils ont le soutien des consommateurs. Et que du coup après moins ils en font et plus ils gagnent d'argent. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'ils changent de politique, les gars? Ils vont pas se remettre en question. Ça risque pas. C'est un peu comme Nintendo, mais dans un autre genre, quoi. Ah, c'est que, du coup, si Ubi, ils ont une politique de merde, c'est à cause de ceux qui achètent. Hein. Ah non, c'était pas... d'accord. C'était pas une autre route, c'était juste un coffre bidon. Mais ouais, on est pas prêt de s'en sortir, hein, visiblement. Alors attends, vas-y, autochtone.
a fait des trucs un peu. Ah, ça le met en faille direct. Hop, je vais essayer de le tuer. Bah bien sûr, ouais. Mais après, ce qui se passe, c'est que tu vois, t'as pour le physique, ah, concrètement, bah t'as la part du de celui qui imprime les CD, t'as la part du transporteur, enfin des transporteurs, parce que souvent il y a plusieurs intervenants à ce niveau-là. Après, t'as la part de l'intermédiaire qui fait le lien entre le transporteur et le magasin. Et puis, bah, surtout, t'as la part du magasin. Et là, les gars, ils se font plaisir, clairement. C'est d'ailleurs pour ça que Carrefour et compagnie, ils arrivent à tenir tête à Amazon et la Fnac, tout ça au niveau des prix. Parce que eux, du coup, les jeux vidéo, ça leur sert de produit d'appel. Donc, ils n'ont pas besoin de faire de marge dessus. Donc, ils virent leur marge. Enfin, ils gardent, genre, j'en sais rien, entre 1 et 5%, on va dire. Et puis voilà, ils peuvent avoir des prêts agressifs. Oui, non, après, concrètement, il y a aucune raison pour justifier les prix actuels du démat, hein. Clairement. Et puis, on le voit très bien sur PC, hein. On en a déjà parlé hier, mais du coup, sur PC, t'as plein de boutiques en démat différentes. Et donc, les prix sont tirés vers le bas. Mais dès qu'un éditeur il a sa propre boutique et qu'il a l'exclusivité de son jeu, c'est le plein tarif. Hein. T'as qu'à voir Forza Horizon 3 là, sur le Microsoft Store. Alors, le jeu, il est resté pendant quasiment 2 ans à 60 balles. Oh, putain, assez chaud quand même. Là, il a baissé que récemment parce que y a le 4 qui va sortir du coup. Donc il s'en fout maintenant du 3. Le 3, il est en fin de vie. Et voilà. Mais du coup, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut jamais laisser le monopole à quelqu'un. Et que c'est... En l'état, c'est interdit par la loi, hein, le monopole. Mais là, ils doivent profiter d'un vide juridique, sûrement. Au niveau du démat. Il ne doit pas y avoir de loi pour le démat. Du coup, les gars, ils se font plaisir, ils ont le monopole, ils disent rien. Et vu que personne se plaint, c'est la baise. D'ailleurs, faudrait essayer de demander, à des trucs de consommation, tu sais, genre 60 millions de consommateurs, je sais pas quoi, les trucs comme ça. Ah, faudrait leur demander ce qu'ils en pensent de tout ça. Parce que... Ah, c'est pas très sain, tu vois. C'est pas très libéral, hein, comme... comme procédé. Ah, pour une fois que le libéralisme, il va dans notre sens, faudrait les appeler. Ah, ça y est, on est arrivé à Don des Flammes. Ah, du coup, c'est un village, alors, Don des Flammes. Le berceau de l'église de la flamme sacrée. Ah, c'est l'église de la flamme sacrée, c'est pas la flamme ardente. C'est deux trucs différents. On avait entendu parler de la flamme ardente. Ou alors c'est peut-être une erreur de trad. Comment ça se passe? Alors, après qu'une dispute a provoqué le départ de sa fille et de son futur mari il y a bien des années, cet habitant ne sait sur quel pied danser vis-à-vis d'elle depuis son retour. Il est néanmoins heureux de pouvoir voir son petit-fils. Ah, génial. Alors attends. Ouais, non, on a dit voler les objets, je le ferai hors stream. Parce que si je commence à le faire maintenant, on va jamais s'en sortir. Hop, donc voilà. Parce que les gens, ils se sont habitués à acheter, tu vois. Ah, c'est comme les DLC. Les DLC, au début, personne n'en voulait. Et puis, petit à petit, ça a fait son trou. Et maintenant, tu vois, les gens... Du coup, même moi, hein, tu vois, les gens multi,
quand les prix sont équivalents, je préfère les prendre en démat. Et salut Tomoe, comment ça va? Je préfère les prendre en démat tout simplement parce que tu vois, j'ai mon jeu solo en CD sur ma console, tu vois. Et quand j'ai envie de me faire une petite partie de genre Mario Kart ou Monster Hunter ou n'importe quoi, tu vois, je préfère l'avoir déjà sur la console et avoir juste à le lancer dans la foulée, tu vois, sans avoir à aller à chercher la boîte, enlever les CD, à mettre le nouveau et tout, et refaire encore ça une fois que j'ai fini de jouer à ma partie en multi, tu vois. Du coup, clairement. Mais le problème, c'est que le démat, les trois quarts du temps, c'est plus cher, quoi. Ah, donc du coup Monster Hunter World, je l'ai en physique, et Monster Hunter Génération Ultimate, je l'aurai en physique aussi. Alors que tu vois, typiquement c'est le genre de jeu, tu vois, j'aurais bien aimé les avoir en démat. Ah, si les prix avaient été honnêtes. Et ouais. Bon, le streaming par contre, on a encore de la marge, clairement. Parce que les technologies sont clairement pas au point. Ah, même si les gros éditeurs, ils veulent pousser ça parce que ça rentre complètement dans leur logique de jeu service et d'abonnement permanent, tu vois. Genre typiquement, Microsoft, ça devrait être le premier à dégainer au niveau des gens en streaming. Parce que avec le Xbox Game Pass, là, tu vois, ça fait un abonnement pour avoir accès à tous leurs jeux. En plus, derrière, il faut que tu sois abonné au Xbox Live Gold pour pouvoir jouer online. Donc déjà, de base, ça leur fait deux revenus ultra stables, assurés chaque mois. Parce que l'abonnement, tu le prends à l'année, forcément, pour le payer moins cher. Tu vas pas prendre un mois par-ci, un mois par-là. La plupart des gens, ils prennent l'abonnement à l'année et point barre. Du coup, quand bien même, il n'y a rien qui sort pendant 6 mois... il suffit que du coup les gars ils aient leur abonnement à l'année, et pendant 6 mois il n'y a rien qui sort, certes, mais les gars tous les mois ils ramassent le pognon, et après ça fait des bénéfices records tous les ans, quoi, forcément, parce que suffit qu'ils sortent j'en sais rien, on va dire 3 cartouches, 3 grosses cartouches dans l'année, 3 ou 4, et c'est bon, c'est assuré. Et sans parler du fait que derrière, tu vois, admettons, ils arrivent, ils mettent la version de base du jeu sur le Game Pass, et que derrière, tu dois acheter toi-même les Season Pass. Là, la baisse, elle est intégrale. Hein. La baisse, elle est intégrale. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire à terme. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils balancent les versions complètes des jeux sur le Game Pass et compagnie. Hein. Là, ils vont peut-être le faire au début pour attirer les clients, tu vois. Ah, comme au début, le PS Plus, les jeux, putain, ils envoyaient du rêve, hein, les jeux qui étaient distribués. Ah, tu regardes maintenant. ça fait rigoler. Mais là, le Game Pass et compagnie, ce sera pareil. Et si en plus chaque éditeur s'amuse à faire son système d'abonnement comme ça... putain, t'imagines. Il faudra que t'aies 5-6 abonnements pour... si t'es un gros joueur, admettons tu t'intéresses aux jeux Square Enix, aux jeux Ubisoft, aux jeux Sony, aux jeux Microsoft et aux jeux Nintendo, aux jeux Capcom. ça devient compliqué, hein, les jeux Namco Bandai. Ça va vite, hein, ça va vite. Ah, tu vas vite te faire baiser. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est ça, mais ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Au début, je crois que c'était ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient essayé de faire Sony avec le PS Now. Mais il me semble que du coup, dans le PS Now, je sais pas comment ça marche maintenant, mais il me semble qu'au début, tu devais payer ton abonnement pour ensuite avoir le droit d'aller louer les jeux sur le PS Now pour les avoir en streaming, tu vois. Genre, si tu voulais jouer au reboot de Tomb Raider... Ah, il fallait que tu payes ton abonnement au PS Now et après tu payais genre 15€ pour une semaine ou une connerie comme ça, tu sais. Je me rappelle plus les tarifs. Hein. Je dois peut-être exagérer au niveau des tarifs, mais c'était cher. Hein. Je me rappelle que c'était cher. Et du coup, la baisse était totale, quoi. Ah, donc ça pouvait pas marcher. Maintenant, il me semble que tu payes ton abonnement PS Now et après c'est tout, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça.
Alors, ce marchand originaire du sud s'est procuré de grandes quantités d'eau des neiges immaculées des terres de givre. Un breuvage censé conférer la vie éternelle à celui qui en boit, à son prix atteint des sommes vertigineuses au sein de l'aristocratie. À l'origine de la rumeur, allait cependant autre que l'astucieux marchand lui-même. Ah, il les a tous baisés. Ouais, bah après, ouais, ça reste pas terrible. Ah, de toute façon. Ah, attends, il y a un objet là-bas. Comment on va derrière? Non? Comment on fait? Ah, tout simplement. Ok. Bah oui, bah moi c'est pareil, gamer. Du coup, j'attends. Faudrait peut-être leur envoyer un mail à la Fnac pour leur demander si c'est normal. Parce que tu vois, genre Kingdom Hearts 3 et RE2, bah c'est pareil. Il n'y a pas les 10€ de chèque cadeau. Alors que par contre, Fire Emblem Three Houses, là, qui sort au printemps, mais sans date précise, lui, il les a. On sait pas. On sait pas trop. C'est bizarre. C'est bizarre. Épée spirituelle. Ouais, ça coûte cher. Mais je commence à avoir un peu de pognon quand même. 167. Et là, je monte à 158 en attaque élémentaire. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même. Mais je perds de la vitesse. C'est chose que je perds en vitesse. Un baguette de pierre. Ah, donc je vais avoir un gars à la baguette alors. Ok. Chapeau pointu. Turlututu. Oh mon dieu. Ouais. Mais si je perds en défense, c'est pas terrible. Diadème 63. Allez, diadème, c'est pas mal. Ah non, c'est les pétés que ça augmente. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ce serait bien sur Anit. Sur Anit, ça vaut le coup. Oui. Alors, du coup, je le mets sur Anit. Voilà. Bah, de toute façon, ouais, je pense qu'il... J'en sais rien. Parce que le jeu Valkyrie, il est censé sortir fin septembre. Donc, il n'y aura pas la possibilité d'avoir le Black Friday derrière. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et pas pour la PS4? Ah ouais, d'accord. Mais c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Parce que du coup, bon, ça fait gros fanboy quand même. Ah, j'essaierai d'envoyer un mail au SAV sur Twitter. Sur Twitter, ils répondent ultra vite, les gars. Ils sont super efficaces. Hein. Ah, si un jour vous devez passer par le SAV de la Fnac, passez par Twitter. Pro tip. Mais les gars, putain. Ah, ils sont ultra pro et super rapides et super aimables et tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'embrouille. Hop. Ouais. Ah, du coup, je vais me mettre sur lui. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Que de la merde. Bah, faut dire que le stuff que j'ai volé, c'est tellement pété aussi. Est-ce que je peux la voler? Non, je peux pas la voler. Bonjour. Ah, c'est le barman, lui. D'accord. Mais ouais. Mais je me demande si, du coup, le culte ardent, là, c'est la même chose que la flamme sacrée ou pas. Je sais pas si c'est une erreur de trad ou pas. Ah, en théorie, non. Ah, GG, Suirag. Ah, GG. En théorie, non. Hein. Genre, tu prends Red Dead Redemption 2, t'as les 15€ de chèque cadeau sur tous les supports. Hein. Y a pas de problème. Hein. Là, c'est juste que les gars, bah, je sais pas. J'en sais rien. Ils ont oublié, hein, à mon avis. Hmm.
D'accord, la victoire fut arrachée grâce à l'intervention d'un chasseur et de son loup géant, dont les exploits font aujourd'hui encore l'objet de louanges. Ah bah c'est le sensei. Ah, comment il s'appelle? Zatan, je crois, non? Un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a à voler? Je suis curieux quand même. Ouais, mais non, je le ferai plus tard. Ok. Ah, il y a un point de sauvegarde ici, tiens. Ah, tu vas demander? Ouais. Ah bah c'est cool. Bah demande-leur du coup pour Valkyria 4, Kingdom Hearts 3 et Resident Evil 2. Tant qu'à faire. Comme ça, si je peux faire mes courses derrière, moi ça... ça m'arrange. En leur disant que du coup c'est bizarre parce que la version Switch de Valkyria, elle a les 10€ de chèque cadeau et que bah Fire Emblem Fate... Three House ah, qui a même pas de date, il les a déjà, ses chèques cadeaux. alors qu'elle rêvait de rejoindre les chevaliers de la chapelle ardente depuis le plus jeune âge. Depuis son plus jeune âge. Ah donc la chapelle ardente. Ah oui, c'est les chevaliers de la chapelle ardente qui doivent être au service de l'église du feu sacré. Ouais d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, son adoubement a laissé en elle un grand vide. Oh... Elle affiche désormais une expression glaciale, bien que son regard s'embrase encore dans le feu de l'action. Incroyable. Je ne pense pas devoir passer par ici pour le moment. D'accord. Ah, ça sent le... Ah, la zone pour le scénario, ça. Ah bah ouais. De Nordif. Ah, d'accord, ah, c'est le printemps. Cette femme partage depuis plus d'un an la vie d'un mercenaire errant. Elle a sacrifié d'innombrables heures de sommeil à garder un œil sur lui, à de peur qu'il ne profite d'un moment d'inattention pour disparaître. Ah, le salaud. D'accord. Et on peut y aller direct à la cathédrale? Après avoir perdu sa femme et sa fille lors de la grande peste de Ruisseland, il se consacre désormais à propager les enseignements de la flamme sacrée à qui fut sa seule lumière en ces temps difficiles. Ah, c'est beau. Guidé avec facilité. D'accord. Ah donc je vais avoir un... La compétence du perso, là, ça va être de guider les gens. Je vais plus avoir à les séduire de force pour... pour les amener là où je veux. Ah, trop bien. Parce que du coup, avec Primrose, c'est pas assuré à tous les coups. Ah, une prison. Oh mon dieu. Bonjour madame. Ok, bah c'était pas la peine de me le dire, mais ok. Mais du coup, ouais, à éviter de me dire ce que je suis pas censé savoir, quoi. Là, je fais mes petites suppositions, tu vois, si j'ai raison, bah c'est cool. Ah, si j'ai tort, on s'en fout. Hein. Mais du coup, ouais, je préfère avoir la surprise. Mais ça va faire du bien d'avoir un mage blanc dans l'équipe. Voilà, bon, même si l'apothicaire, il faisait déjà le taf. Mais un vrai mage blanc, ça va être bien. Cette ancienne danseuse a fui la ville d'Ombrelle et la cruauté de son ancien maître pour vivre sous un nom d'emprunt. Elle accepte les cauchemars qui ressuscitent son terrible passé comme une punition pour avoir abandonné ses amis. Ah bah, Ariatona. Ah la pauvre. Aris tourne à l'auberge, d'accord. La fille, elle fait des cauchemars. Est-ce que je peux la recruter? À 100%. Récupération de santé. Ah, c'est un healer en plus. Ah, c'est pas mal quand même. Petit healer. Ouais, mais la fille qui fait de la lumière, là, j'aime bien. Ah, quoique, bah du coup, si c'est un mage blanc. Parce que ouais, du coup, voilà, tu vois, c'est le problème, c'est que maintenant, tu vois, je commence à réfléchir et à faire mes strats en fonction de ce qui va se passer après. C'est terrible. C'est terrible. Ah bah ouais. Non, mais là, encore, ça va, Thomas. C'est léger. Ah, On a pas vu encore le gros connard qui arrive, qui nous raconte la fin du jeu direct. on l'avait eu sur God of War. Il y en a eu un aussi sur Destiny 2.
Important, le scénario Destiny 2, voilà, mais... c'est pas franchement intéressant. Mais ouais. Il me semble que tu as que 4 mégas. Mais il peut streamer en 360p. Je suis sûr que ça peut passer. Le boss meurt, oh mon dieu. Ah, Surak, bannis-le, vite. Ce bûcheron qui travaille dans les forêts alentours se rend plusieurs fois par semaine à la cathédrale où il remercie les dieux et prie pour avoir la chance d'apercevoir les ravissantes filles de l'archevêque. Ah, le gars, il perd pas le nord. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes qu'il se mette à quatre pattes pour prier. En fait, il veut avoir des pentes sous shot, lui. Je suis sûr, l'objet caché, c'est un appareil photo. C'est où? C'est là? Ouais, une pierre de glace, ouais, bien sûr. On y croit tous. Ah, ça, c'est un coup de la censure de Nintendo Europe. Hein. Moi, je sais. Ah, ce jeune homme a récemment rejoint les Chevaliers de la Chapelle Ardente. Son tempérament bienveillant et paisible a s'étant révélé incompatible avec l'élimination des monstres et la traque de criminels, l'archevêque lui a suggéré de mettre ses talents au service de la logistique de l'ordre. Incroyable. Il est où l'objet caché? Non mais Jean-Michel est fait de lumière. Les gars, ils connaissent pas la... ils connaissent pas la nuance, tu vois. C'est soit tout, soit rien. Ah, du coup, il y a tellement de lumière, tu vois plus rien, quoi. Valkyria, ouais, il est traduit. Il est traduit en français. Il y a pas d'embrouille. Ce sera le premier, d'ailleurs. Et c'est cool. C'est cool. C'est pour ça que je veux le soutenir en Day One, d'ailleurs. Malgré la shitstorm de fin d'année. Alors, je tiens à dire merci à Sega pour enfin traduire un de ses jeux. Parce que ces gars, c'est pas gagné. Alors, cet épéiste a autrefois connu de tout Vimperchi. Alors, j'ai pas encore visité ça, Vimperchi. A combattu l'un de ses amis pour le titre de champion. Après la mort de son adversaire, il a définitivement tourné le doigt à la violence pour se faire prêtre. On dit néanmoins que son épée est cachée quelque part dans la cathédrale. Ah, allons lui voler. Et salut Vince, comment ça va? Ok. Ah, est-ce que je peux le... Fais voir, est-ce qu'il est doué? Non, il est pas très doué. En plus, il fait que prier, il sert à rien. Ouais, mais elle est grande la cathédrale, oh mon dieu. Je m'attendais à une église random, moi. Ah bah ouais, ah, ce serait tellement bien qu'ils traduisaient les Yakuza. Mais apparemment pour... pas pour le 6, mais pour le prochain. Pour le prochain qui va être une sorte de nouvelle histoire, tu vois, avec des nouveaux persos et tout. A priori, il sera traduit. Parce que ils arrêtent pas de dire « Oui, on est au courant que vous voulez les traductions. On est sur le coup, mais on dit rien. » Donc... Bah quand il dit ça, c'est que forcément le prochain tu l'auras en français, tu vois. Surtout là, maintenant qu'il a réussi à percer correctement en Occident, il y a pas d'embrouille. Hein. Ça va arriver. Mais assez chaud avec ces gars. Faut toujours ramer pendant 15 ans pour que il daigne faire le minimum. Quoi. Ah oui. Ah non, bah de toute façon avec ces gars, t'inquiète pas, t'auras pas de voix française avant au moins 20 ans. Hein. Y a pas d'embrouille. Déjà, rien que les textes, ça va faire du bien. Ah bah ouais. Ah bah moi aussi. Ah, surtout que ce serait une nouvelle histoire et tout. Là, je me laisserais tenter, tu vois. Ah, clairement. D'accord. Ok. Après avoir fidèlement servi l'église toute sa vie, ce vieux prêtre comptait renoncer à son apostolat ouais pour finir ses jours en paix. Il a cependant décidé de rester pour assister à la cérémonie de l'attisement comme son ami Joseph. Ah, un objet caché, incroyable. Ah bah tiens, lame lourde. Ah, ça c'est l'épée de l'autre.
Alors, est-ce qu'elle est bien, son épée? Ah bah écoute, ça va super bien, Vince. Par contre, tu réponds tard, non? Ou c'est moi qui ai pas vu? Non, tu réponds tard. Hein. Il y a tant de décalage que ça. Sega, c'est plus fort que toi. Ah bah ouais. Tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Merci, Suarez. Mais du coup, maintenant, ils ont un nouveau logo, là, avec un œil. Ah, ça fait un peu bizarre. Enfin, je trouve ça un peu anxiogène, leur nouveau logo. Enfin, leur nouveau jingle. Bah ouais, ah, moi aussi, hein. Moi aussi, ça me fait clairement chier. Alors attends, là, j'ai l'espadon. Ah ouais, à 192. Ah oui, quand même. Ah mais Therion, il va tellement finir complètement fumé. Alors regardez, il arrive déjà à 200 en attaque physique, il a 224 en esquive. Les autres, tu vois, ils sont vaguement à 100 par là. On sait pas trop. Ça rigole zéro. Regardez les autres, 113 en attaque physique. Ça veut rien dire. Attends, je l'ai mis, ouais. Ouais, c'est bon. Ah, c'est vrai que... Ah oui, non. Ah ouais, d'accord. À 261, 155, 156, 192. Ouais, donc Anit, c'est le DPS, quoi. En même temps, sa hache, elle fait 96 en dégâts physiques. C'est vrai que ça rigole pas trop. Mais les autres, ouais, en esquive, tu vois, ils oscillent entre 90 et 120. Lui, il est à 224. Au calme. Ah, d'accord, tu fais autre chose à côté. Ouais, je me disais bien aussi. Ouais. Ah, il y aura un objet caché, là, non? Ou peut-être pour une cinématique, remarque. Oui, ça baissera. Hein. Ça baissera, t'inquiète pas. C'est habituel. Ah, ils mettent toujours le tarif au max, et après, en général, ils épient Amazon, et ils baissent à peu près au tarif d'Amazon. Alors, souvent, genre 2 euros plus cher, un truc comme ça. Parce que bah du coup derrière t'as les chèques cadeaux tu vois. Et sans parler des cartes cadeaux en plus qu'il y a en ce moment. Mais du coup ouais t'y gagnes au final. Mais après ouais faut toujours garder un œil sur les prix par contre. Clairement. Parce que si c'est beau hein. Regardez-moi ce... Voilà. Ah ceci est un jeu de 2018. Ah putain. Tout va bien. Bah du coup t'as le prix bas garanti. Donc bah admettons que le jeu tu vois il arrive il baisse à 40 balles et que bah après il remonte à 45. Bah toi tu le paieras 40 euros. Et c'est ça qui est cool quoi. C'est pour ça que ça reste intéressant de précommander pour tout ce qui est physique. Ah, c'est que bah du coup entre les offres et des fois ils se trompent sur les prix tu vois. Ou ils les remontent derrière ou des conneries comme ça tu vois. Ah, c'est cool. C'est cool. Tu peux avoir des bons prix sur les jeux. Clairement. Bah du coup Tomoe, voilà, il y a déjà la garantie du prix le plus bas, où bah, des fois s'ils font une erreur ou qu'ils l'ont un peu trop baissé, tu vois, et que derrière ça remonte, bah tu l'as au prix le plus bas. T'as les... Comme en ce moment sur la Fnac, t'as les cartes cadeaux de 40 balles qui sont vendues 30 balles. Ah, donc t'en prends plusieurs pour précommander ton jeu, tu vois, enfin tes jeux. Ça te fait 25% de réduction de base. Donc admettons, le jeu il arrive, il baisse à 45 euros pour la sortie. Bah derrière, toi, tu l'auras payé encore 25% moins cher. Et pour les préco à la FNAC, sur quasiment toutes les préco, t'as 10 euros de chèque cadeau à chaque fois à réutiliser sur un autre achat derrière. Donc, bah c'est banco, quoi. Ah, tu peux facilement arriver à payer tes jeux en Day One à entre 30 et 40 balles maximum. Et derrière, si tu précommandes plusieurs fois à la FNAC... soit t'auras une grosse ristourne sur un jeu, soit si t'envoies la mec sur la Fnac, avec les cartes cadeaux de 40 balles qui sont vendues 30 balles, là, bah tu peux carrément t'acheter un jeu gratuit, quoi, derrière. Genre, là, normalement, Kingdom Hearts, je devrais pouvoir l'avoir gratuitement, en théorie.
avec tous les chèques cadeaux que je vais ramasser. Parce que s'il n'y a pas les 10 euros de chèques cadeaux, bah, je ne vais pas précommander. Je vais juste attendre d'avoir mes chèques cadeaux et je l'achèterai comme ça, quoi. Ah, du coup, il sera gratuit, entre guillemets, avec toutes les offres cumulées. Après, Amazon, ouais, c'est aussi utile de préco chez Amazon ou Price Minister aussi. Parce que souvent, les prix, ils baissent et ils remontent derrière. C'est assez, assez fou. Mais bah, le jeu, si tu sais que tu vas le prendre en Day One dans tous les cas, autant précommander. Après, tu vois, tu le précommandes sur plusieurs sites. Une semaine avant la sortie, tu regardes là où c'est le moins cher, là où tu as eu la meilleure offre. Ah, tu annules les autres précommandes. Et tu regardes ce qui se passe au niveau de Carrefour, Auchan, tout ça. Et si Auchan, Carrefour, ils n'ont pas de meilleure offre, et bah, tu gardes ta précommande et c'est bon. Et ça te permet d'avoir le jeu au meilleur prix. Et par contre, tu vois, en démat, bah, ça ne sert à rien de précommander. Parce que du coup, les prix en démat, bah, ils restent fixes. Et de toute façon, en général, les 10% de réduction que tu as sur Steam pour... pendant les préco, les 10% restent aussi la première semaine de sortie, donc tu t'en fous, t'as pas besoin de précommander sur Steam, tout ça, tu vois. Mais par contre, en physique, ouais, il y a encore un intérêt. Sans même parler des petits éditeurs, tu sais, genre Limited Run ou les trucs comme ça, où là, t'as clairement des problèmes de stock, et si tu précommandes pas, bah, ton jeu, tu le verras jamais. Ouais, voilà. Bah, du coup, je t'ai expliqué mon point de vue. Après, bon, bah, si t'adhères, tant mieux. Si t'adhères pas... voilà. Moi, c'est pour économiser du pognon, concrètement, d'un point de vue personnel. Après, le reste... je m'en fous. Je précommande pas parce que j'ai peur de pas avoir mon Valkyria Chronicle 4 à la sortie. Je sais très bien qu'il sera de partout. Il n'y a pas de... pas d'embrouille. Et j'ai pas de... Ah, j'ai pas d'action chez quelque enseigne que ce soit. Parce que du coup, là, je pousse à la précommande chez la Fnac, tu vois, avec les cartes cadeaux et tout. Mais moi, je touche rien, hein. Je touche rien. Ah, si j'étais un VRP quelconque, ce serait éventuellement chez Amazon. Je te mettrais que des liens Amazon de partout. Y a pas d'embrouille. Mais du coup, ouais, non, pas forcément. Pas forcément, parce que tu vois, les chèques cadeaux, les 10 euros de chèques cadeaux que tu gagnes sur chaque précommande, bah derrière, tu peux très bien attendre les soldes et t'acheter genre un jeu, des jeux à 10 balles ou un PC, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais bah, tout ce qui est sur la Fnac, après, tu peux utiliser tes chèques cadeaux sur tout et n'importe quoi, ou des mangas, ou ce que tu veux, tu vois. Donc, clairement... au niveau des chèques cadeaux, les chèques cadeaux de 10 euros sur les précos, j'en fais pas une priorité, tu vois. Je considère ça comme du bonus. Là où en ce moment je donne la priorité à la Fnac, c'est vraiment parce qu'il y a les cartes cadeaux de 40 balles qui sont vendues à 30 balles. Donc ça te fait 25% de rabais. Après, les 10 euros de chèques cadeaux pour les précommandes, c'est du bonus. Et c'est parce que aussi ça permet de passer un maximum de cartes cadeaux, tu vois. De toute façon, le jeu, tu sais que tu vas l'acheter. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas l'acheter en Day One. Les cartes cadeaux, elles périment à la fin du mois, donc tu peux précommander. Et en plus, derrière, tu as 10 euros de chèque cadeau en bonus. Mais bah, c'est du bonus, quoi, si tu veux. Sinon, après, voilà. Et vu que bah, les prix sont à peu près les mêmes que sur Amazon, avec les cartes cadeaux en plus derrière, c'est forcément moins cher à la Fnac. C'est pour ça que je précommande tout là-bas en ce moment. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Enfin, elle ou lui, j'en sais rien. Ah non, c'est un prêtre, ouais, c'est un monsieur. À 56 ans en plus. Ah quand même. Ouais, voilà, faut bien isoler toutes tes précommandes, parce que après, si t'as une annulation pour une raison X ou Y, ça devient vite le bordel, clairement. Il vaut mieux la jouer safe et faire 40 commandes si t'as 40 jeux à précommander. Mais bon.
Bah, ça se fait. Ah, par rapport à ce que tu gagnes derrière, c'est pas cher payé. Hein. Ah, du coup, tous ces fils, ils sont chevaliers à la chapelle ardente. Ils ont reçu les enseignements de la flamme sacrée. Cette dernière a transmis à sa fille son intensité, au cadet sa générosité et au fils sa dangerosité. Ah, du coup, son fils, c'est un psychopathe. Arigato. Ah, vendre de nouvelles armes? Ah merde! Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait mes courses directes, j'aurais attendu. Dame d'aide. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous raconte, la Gertrude. À Madame la Mage Blanc. Enfin, après, de toute façon, tu vois, on se doutait bien qu'une ville ultra religieuse avec une cathédrale qui prend toute une zone, tu te doutais bien que le perso, ça allait être un mage blanc, quoi, un healer. Ah, cette douce prêtresse, elle répond au nom d'Ophilia. Dans sa ville natale de Don des Flammes, la grande cathédrale domine tout le reste. C'est dans son enceinte protectrice qu'elle se consacre au service de la flamme. Elle aide Lyanna, à sa chère sœur et amie, à se préparer pour l'attisement, un pèlerinage sacré à qui a eu lieu à tous les 20 ans. Mais la veille du départ de Lyanna, survient un drame. Oh mon dieu! Ophilia se prépare alors à effectuer elle-même le pèlerinage, allant à l'encontre des traditions de sa foi, afin que père et fille ne soient pas séparés. Il lui faudra l'aide de courageux alliés pour emprunter la voie qu'elle a choisie. Incroyable. Ah bah oui, ah, le flashback. Ah ouais, ah, Primrose, elle est verrouillée? Je peux pas la virer, Primrose? Comment ça se fait? Alors, du coup, on va virer Alphine, vu que c'est un peu le mage blanc. On en a pas besoin de deux. De toute façon, Anit, elle a aussi une hache. Ah, ça devrait aller. Oui! D'accord, mais du coup, genre, si je vais dans mon menu et que je mets Anit en premier, est-ce que Anit devient mon personnage principal ou est-ce que Primrose c'est mon perso principal parce que j'ai commencé le jeu par elle? Parce que ça, le jeu il t'a pas prévenu que du coup, si c'est ça, c'est la baise. Hein. Ok, bah j'irai voir. J'irai essayer de changer les places. On verra bien. の日が近いからかな。ちょっと緊張しているのかも。リオの。大丈夫。私のことは心配しないで。ちゃんと儀式を成し遂げるから。20年前、父様も儀式をやり遂げたわ。娘の私が失敗するわけにはいかないもの。 À l'ordre des persos dans le menu, bah justement, peut-être que ça sert à changer de personnage principal. Ah, sinon, après, je pense que c'est purement esthétique, hein, parce que de toute façon, le tour des persos, il est déterminé par leur vitesse. C'est juste que si t'as envie d'avoir Anit dans le fond plutôt que tout devant, tu vois, tu la changes de place, mais j'ai pas l'impression que ça ait une incidence autre que ça.
ヨーセフ大司教様の娘としてずっと周囲から期待されています。この前の信徒の皆さんへの講話も堂々としたものでしたし、今回の儀式だって一人で立派に果たそうとしています。そんなことはないわ、みんなのおかげよ。講話だってその内容をオフィリアが一緒に考えてくれたからできたことだし、あなたの力になれているなら嬉しいです。ありがとう、リアナ。さあ、オフィリア、礼拝堂に行きましょう。Ah, alors, comment ça se passe? Fais voir. Ah ouais, mais là, du coup, je vais pas voir tout mon stuff et tout. Bah non, j'ai que de la merde. Ah, faut finir le flashback vite. Mais au niveau des aptitudes, ouais, du coup, c'est un prêtre. Soin des blessures. De tous les alliés. Ah, c'est cool, ça. Inflige d'importants dégâts de lumière à un ennemi. Ok, d'accord, donc elle peut aussi DPS. Ok, très bien. Ouais, faut que j'aille où? Ah, c'est bon. Et ça se trouve, Octopath Traveler 2, ce serait une préquelle en fait. On suivra cette histoire-là, tu vois. Yosef Daishikyo-sama. To-sama, nani ka yoji? Iya, iya, kini sende kure. Sono mama o tsutome o susume nasai. Hai, wakarimashita. しかし、 2人 とも大きくなったな。 オフィリア、 君が私のところに来てから。 もうすぐ 15年になります。 15年か、 大きくなるわけだ。 孤児だった私を引き取って 育ててくださった 大司教様のおかげです。 本当に感謝しています。改まる必要はない。これも聖なる日のお導きだ。オフィリア、私も父様もあなたの家族よ。家族が一緒に過ごしてきただけなのに感謝するなんておかしいでしょ。Alors du coup là je suis avec l'Avermedia LGP Lite, un truc comme ça. Mais du coup ouais, si t'as des questions sur sur ma config, y a un lien en dessous du stream. Comme ça t'as tout. Enfin normalement il y a aussi. Ça se trouve je l'ai oublié, je pense pas. Mais ouais ouais. Bah ça fait le taf quoi, même si bah là ma carte de capture elle est clairement en train de rendre l'âme. Ah t'as souvent le son et l'image qui se décale, tu vois. Ah du coup c'est la merde. Je suis obligé de la désactiver, de la réactiver à chaque fois. Et là faut que je la change. Ah, comme ça je partirai sur un truc où il y a une meilleure qualité d'image.
Même si bon, après pour des jeux comme Bravely Default, ça fera pas une différence énorme. Mais sur les jeux, les triple A, les jeux de course, tout ça, là par contre, ouais, clairement, ce sera plus la même. Mais après, pour commencer, c'est une bonne carte de capture, quoi. Elle fait le taf. Ah, ce lapsus! Qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon dieu! Pardon! Qu'est-ce que j'ai dit? J'en sais rien, j'ai même pas fait gaffe. Ah, pour streamer Bravely Default. Ah bah ouais. Ah mais c'était obligé. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois c'est Bravely Default qui sort au lieu d'Octopath Traveler. Je le fais souvent ce lapsus, hein. Bon, du coup je m'en rends compte 90% du temps. Là du coup même pas. Ah, je suis passé à travers. Mais c'est vrai que les jeux, ils sont assez proches, hein, niveau que ce soit niveau DA, niveau histoire, tout ça, système de combat et tout. Bon, la filiation est clairement palpable. Ouais, non, bah, j'ai pas la fibre, j'ai de la VDSL 2, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Et du coup, j'ai... J'ai 14 de ping et en upload, j'ai 9 mégas réels. Donc, en sachant que je balance à 3600 kilobits par seconde pour l'image et 192 pour le son, tu vois, ça fait même pas 4 mégas. Donc, j'ai de la marge. J'ai clairement de la marge. Je pourrais balancer encore plus si j'avais envie. Mais le problème, c'est que de temps en temps, tu vois, on me vire la sélection de la qualité de la vidéo. Et du coup, je vais pas mettre trop haut parce que sinon, après, les gens, ils pourront plus regarder. Mais clairement, après, si t'as envie de streamer, si tu fais du jeu rétro, tu peux te permettre de streamer avec une petite connexion. C'est pas ultra dérangeant. Par contre, après, si tu fais des jeux récents et tout, là, faut clairement un bon machin, quoi. Faut avoir une connexion solide. Parce que bon, autant les gros streamers, tu vois, genre Ayaki qui stream avec une qualité pas terrible. Genre Atomium. Ah, tu vois, Atomium, lui, voilà. Mais tu vois, les gens restent parce que du coup, il est connu, les gens l'aiment bien, tout ça, donc ils y vont. Par contre, un petit streamer qui se ramène et dès que l'image commence à bouger, ça fait plus que des gros carrés dans tous les sens, c'est même pas la peine. Les gens, ils restent pas. Ah, bah t'as bien de la chance. Moi, je l'ai aussi en théorie, mais le problème, c'est que là, moi, je vais aller chez Bouygues, parce que bah, c'est clairement ceux qui envoient le meilleur débit et qui ont les prix les moins chers, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, ils passent pas par la fibre de tout le monde, tu vois. Ils veulent leur propre système. Et donc, ils sont censés passer d'ici 6 mois ou un an. Donc, faut que j'attende. Faut que j'attende. Il me semble bien, hein, Suirail. Je t'avoue que j'y vais qu'une fois de temps en temps, parce que bah, justement, moi, la qualité, ça m'énerve et du coup, je me casse. Mais du coup, voilà. C'est... Ah, dès que ça commence à bouger, ces streams, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est dégueulasse. Hein. Ça fait des gros carrés dans tous les sens. Mais même sur des jeux assez posés, tu vois, genre Dragon Ball ou FighterZ ou des conneries comme ça, même là. Donc, ouais, je pense qu'il est en 4G, hein, clairement. Clairement. Mais du coup, ça, c'est rageant de voir que. Ah, lui, il arrive, il fait un peu de la merde et ça passe tranquillou. Et qu'il y a plein de monde, tu vois, qui ont un matos impeccable, tu vois, et qui n'arrivent pas à ramener des gens, quoi, derrière.
Enfin bon. Ouais, bah du coup, Tomoe, les VOD, il les enregistre à part. Il les enregistre en même temps. Alors, tu vois, moi, je me fais pas chier. J'arrive. Je fais mes streams et puis derrière, je balance la VOD depuis Twitch. Donc, s'il y a un problème sur Twitch, après, tu auras le problème sur YouTube. Mais lui, par contre, il fait les local records, tu vois, l'enregistrement local. Et du coup, après, il upload ses vidéos depuis son PC. Et du coup, bah, la qualité, elle est impeccable. Là, par contre, ses vidéos YouTube, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, clairement. Mais c'est sur Twitch, moi, que je parlais. Ouais, ouais, voilà. もちろんです。洞窟の最奥にある原初の炎。その炎から授かりし種火を携え、各地の教会の聖火を巡る。それが20年に一度行われる式年奉火の儀式だ。 街から一歩外に出れば、そこには無法者や魔物が待ち受けている。各地の教会を巡る旅は危険を伴うものとなるだろう。だが、お前ならやり遂げられる。 父様、私もその期待に応えたく思います。20年前に父様が式年放火の儀式をやり遂げたように。 Ah bah ouais, ah tu m'étonnes. Ah ne serait-ce que pour télécharger les séries et tout derrière. C'est tellement bien. T'appuies sur le bouton, c'est fini. Ah putain. C'est stylé. Tōsama. Après, j'ai pas plein non plus, tu vois. Des séries de 12 épisodes, tu vois, des animés de 12 épisodes. Alors, il me faut. Ça dépend vers qui je passe, en fait. Quand je passe directement par Free, il faut moins d'une demi-heure. Entre 25 et 30 minutes, tu vois. Par contre, tu vois, quand je passe par Up2Box et compagnie, là, par contre, il faut dans les 3 heures en général, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus long parce que c'est bridé. Ça va. Mais c'est vrai qu'après, la fibre, quoi, c'est quasi instantané. C'est... Ah putain. Ça va faire tellement du bien quand je vais y passer. まだまだたくさんあるのですから。そうです、父様。オフィリアの言う通りです。だから、今日はお勤めを休んで、ゆっくり体調を整えてください。 Ouais, ouais, bah là, Up2Box, je parlais de manière optimale, donc le matin ou l'après-midi en général. Après, c'est vrai que le soir et le week-end, par contre, c'est plus lent. Le soir, il y a une petite baisse. Mais par contre, le week-end, je sais pas chez vous comment ça se passe, mais le week-end, chez moi, je peux rien télécharger. Que ce soit Up2Box ou un autre, il veut rien savoir. Ça va tout doucement. On dirait que je suis avec un 56K, t'sais. Alors que pourtant, tu vois, pour regarder les vidéos et tout, il y a aucun souci. Mais ça, je pense que c'est Free qui bride. Mais bon. Ah, du coup, heureusement, je suis là en semaine, donc ça me dérange pas. Ah bah ouais. Bah après, ouais, ce sera que pour YouTube, quoi, parce que bah du coup, les consoles, bon, elles en sont pas capables, encore. Alors les PC, il faut avoir un PC de la NASA pour faire du 4K dans de bonnes conditions. Du coup...
C'est assez limité quand même la 4K pour l'instant. Je pense pas que ce soit le moment d'investir dans les écrans 4K tout ça. Autant attendre d'avoir une technologie optimisée et surtout des prix beaucoup plus bas quoi. Ah, là ça commence à bien baisser, mais bah là du coup j'imagine que va y avoir une nouvelle génération d'écrans 4K qui va arriver. Ça va revenir encore à plein tarif. Donc, autant attendre encore un peu. Ouais ouais. Bah après Free, tu vois, ça dépend où t'habites quoi. Moi j'habite juste à côté du relais, tu vois, dans une un peu dans la cambrousse, donc ça va, ils sont cool. Niveau débit et tout, j'ai rarement des soucis. Ça va. J'en ai genre peut-être deux problèmes dans l'année, tu vois, on va dire. Un problème avec la connexion qui fait n'importe quoi, et puis un problème de bridage une fois de temps en temps. Mais, c'est correct. Par contre, quand je passerai à la fibre, ouais, je vais arrêter Free, je pense, parce que je prendrai les moins chers. Et ouais. Mais déjà, tu peux en faire. C'est déjà pas tout le monde hein, qui peut en faire, clairement. Bah, du coup, moi je dois pouvoir en faire, mais je suis même avec les derniers AAA, mais je suis un peu l'exception parce que du coup, pour streamer, t'as intérêt à avoir un PC solide, hein, clairement. Mais après, les gens normaux, y a pas d'intérêt à avoir un PC à plus de 1000 balles, ça sert à rien. Alors moi, heureusement, je m'en étais pas tiré cher parce que j'avais acheté les pièces petit à petit, tu vois, sur toute une année, en attendant les soldes et tout. Et du coup, je m'en étais tiré à combien dans les 1000-1200 balles par là. J'ai plus le prix exact en tête, mais c'était dans ces eaux-là. Mais sinon, ouais. Mon PC, tu prends les composants tout plein tarif, t'en as au moins pour 2000 balles, quoi, minimum. À 2500, je pense. Ah oui, oui, ah bah il y a des chances, hein. Parce que concrètement on est sur sur un rythme de un chapitre par jour. Ah, vu que bah ça parle pas mal et que bah en plus moi j'arrête pas de papoter comme un con. Ah, donc les dialogues, je les passe tout doucement. A priori, on a calculé, il y aurait 24 chapitres pour chaque perso. Pour chaque perso, n'importe quoi. Ah, 24 chapitres dans le jeu. Ah, donc ça fait 24 jours. Hein. Ça va, ça fera le jeu de l'été, en fait. D'accord. Ouais, non, il faisait que pleurer, là, le gamin. Ah, Jean-Michel, traduction. Ah, mon Dieu. Ah, ils ont fait l'inverse de Fire Emblem. Dans Fire Emblem, tu vois, t'as les persos qui parlent, ils remplacent par trois petits points. Ah, là, t'as le perso qui dit rien, ils le font parler. Ah bah ouais. Ah bah c'est ça. Mais du coup, moi, je vais faire concurrence à Ken Bogard. Je vais lancer le Il est pas shiny du JRPG. Ah, du coup, on fera un jeu par an et on va juste papoter et raconter tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, c'est le plus important. Mais on tient clairement un truc, là. On tient un nouveau concept d'émission. Ah, c'est... Y a pas d'embrouille, hein. Ah, il faut retrouver la maman. Alors, Ophelia peut guider les habitants pour les mener là où elle le souhaite. Incroyable.
Allez, vas-y, viens. Ah oui. À part le pouvoir du sceptre. Soit tu me suis, soit je te le mets dans le cul. T'as le choix. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Ah, génial. Ah, moi, je fais des slow run, ouais, clairement. Hein, clairement. Bah, ça, par contre, c'est pas nouveau. Il y a des jeux, bon, quand ça me plaît pas trop, je bourre clairement et on passe à autre chose. Ah, par contre, il y a clairement des jeux où je fais le mongolo et on y passe 400 ans pour rien. Hein. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des jeux pour se poser un peu, tu vois, et puis papoter comme ça. Parce que c'est vrai que dernièrement, tu vois, on faisait que des jeux qui nécessitaient pas mal d'attention. Et du coup, c'est vrai que bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des longues discussions comme ça. Et c'est vrai que les JRPG, pour ça, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Après, il faut avoir de quoi meubler. Hein. À Remember FF14... Ah mon dieu. Ah, c'était pas mes meilleurs streams. Ah bah ouais. Ah mais j'ai peur de rien. Mais du coup j'avais pas non plus tout streamé, tout le level up, hein. Faut pas déconner non plus. Ouais, je gardais quand même les trucs un minimum intéressants pour les streams et après en dehors des streams je me faisais les level up dans les donjons et compagnie quoi. Parce que du coup pour chaque level up fallait faire 4 fois chaque donjon, je crois, un truc comme ça. C'était à peu près ça le rythme. Après pour les DPS c'était le pire. C'était le pire les DPS parce que pour les niveaux impairs, le plus rentable c'était de partir en PVP. Et le PVP de FF14 il est dégueulasse. Il est vraiment ignoble ce PVP. Ah du coup je le faisais en mode no brain. Et à chaque fois c'était le Maelstrom qui gagnait, tu sais, parce que... Il y a plein de bots dans le PVP de FF14. Et du coup, bah, tu peux rien faire quoi avec les bots au milieu. Ah, donc bah, dès que tu vois que bah, tu peux pas gagner, bah, tu te laisses mourir quelque part. Et tu fais la méthode de l'élastique. Tu vois, tu coinces le stick droit dans un coin. Comme ça, t'as la caméra qui tourne. Et le jeu, il considère que t'es toujours actif. Et du coup, tout va bien. Ah, les seules fois où ça marchait pas, c'était quand il y avait quelqu'un qui voulait vraiment jouer et du coup il s'apercevait que t'étais AFK, il demandait une expulsion. Mais sinon après... Moshi. Bah ouais, bah du coup moi j'aime bien monter level 70, comme ça tu t'aperçois de toutes les subtilités de toutes les classes en fait. Et après tu vois quand je reprends mon mage blanc ou autre, bah je sais très bien qui c'est qui fait de la merde ou pas, tu vois. Après je peux gueuler, ah mon dieu, non je déconne. Mais du coup ouais tu peux les aider quand le groupe galère et qu'on n'arrête pas de crever, tu peux leur donner des conseils et tout, c'est stylé. Et puis bah je préfère changer de perso et tout, à revoir les vieux donjons et tout, plutôt que d'aller m'enfermer dans les raids où bah tu farmes pendant 3 mois le même combat de 10 minutes. Ah bon, ouais c'est pas ce qui me fait rêver, tu vois. Les raids, tu vois, je les fais une fois, c'est cool. Et après je passe à autre chose. Je suis pas le genre à aller farmer les montures et compagnie, tu vois, par exemple.
tuer des boss et pour avoir la monture, et t'as 1% de chance d'avoir la monture, ça m'intéresse pas. Et en plus, à chaque fois, le moment où elle pop, bah du coup, après, t'as une chance sur 8 de l'avoir. Va te faire foutre, le jeu. Ah putain. Et du coup, ouais, je m'amuse plus à XP les classes qu'à faire les raids. Hi. Hajimemashite. Ah, il doit améliorer un peu, ouais, mais bon. Ah, ça doit pas non plus changer grand chose. Oh. Ah, Mathias. De Léoniel. D'accord. Oh. Ah oui, on est bien d'accord. Ah, clairement. Ah, moi, le plus drôle, ce que j'adore dans FF14, c'est les raids à 24. Ah, c'est tellement goldé. C'est tellement le bordel et tout le monde se met sur la gueule. Et en même temps, tu vois, t'es obligé de faire des vrais strats et tout. Bon, c'est plus très vrai pour les premiers parce que maintenant, avec les e-level qui sont mal équilibrés, ça bourre dans tous les sens. Ah, il n'y a plus aucune strat. Mais ouais, quand t'as juste le niveau, tu vois, putain, c'est tellement bien. Et c'est pour ça que ça me fait rager. La limitation à un stuff par semaine, tu vois, parce que j'aimerais bien le faire en boucle pour stuffer mes persos et tout, tu vois. Parce que bah du coup, t'as la récompense et en plus, t'as le fun de voir tout le monde super salé parce que ça marche pas et tout. C'est tellement bien. Ah putain. Mais ouais, cette putain de limitation à un stuff par semaine sur les derniers donjons, c'est tellement chiant. C'est pour ça que le jeu, j'y reste pas, parce que... Ah, je peux pas... Ah, je peux pas approuver cette prise en otage des récompenses pour te forcer à t'abonner, quoi. Ça m'intéresse pas. Le jour où il l'enlève, ça, je pense que je prendrai un abonnement, clairement. Mais là... Entre les limitations des stuff dans les raids à 24 et la limitation des trucs à la goa, là, à la monnaie pour acheter du stuff spécial. Sans moi. Mais après, ouais, faudrait qu'ils fassent aussi un peu plus de donjons à 8 joueurs. Parce que ça, ils en ont plus fait depuis le Proletarium, non? Si je dis pas de bêtises. Il y en a tellement jamais des donjons à 8 joueurs. C'est dommage, hein, parce que c'est stylé. Yeah, yeah. Ouais, je sais que c'est loin d'être les meilleurs, mais du coup, bah, c'est d'autant plus con de te limiter et de t'empêcher d'en avoir plus d'un par semaine, quoi. C'est débile. C'est totalement débile. Hein. Ah, j'ai pas lu. Ah, c'est pas grave. Ah, il me dit d'y aller. Ouais. Et même pour les stuff à la goa, tu vois, parce que bah, ce qui se passe en général, c'est que bah, pour aller dans les derniers raids, tu vois, il faut à tout prix certaines stats précises. Et du coup, pour les avoir, bah, il te faudrait le stuff à la goa.
Et vu que t'as la limitation une fois à tant de pognon par semaine, bah tu peux pas y aller quand tu veux, quoi. Tu peux pas farmer autant que tu veux. Ça aussi c'est débile. Enfin, du coup ça étale le contenu sur la durée, hein. Je comprends bien la démarche, mais moi ça me donne pas envie. Hein. C'est pour ça, là, les 4 jours gratuits une fois de temps en temps, ça me va bien, parce que comme ça, tu peux faire l'histoire, hein, tu peux te mettre à niveau rapidement sans aller chercher forcément les derniers stuff les plus performants, tu vois. Mais tu peux quand même passer un bon moment. はい。はい。式年報告を成果を。 儀式は必ず成功させます。ですから、父様はご安心ください。そうか。父様。父様。ご安心ください。お眠りになっただけです。 大丈夫ですか? ええ、私は大丈夫です。 少し外の風に当たってきます。 Allez où? Vite la prochaine cutscene! Vite! Elle est dehors? Je sais pas où elle est. Mais du coup, ouais, FF14, on va s'en faire la semaine prochaine, là. Oh, elle est dans la prison. Ah, un objet caché. Un boucle d'oreille de renforcement. Incroyable. Ah tiens, et si on sauvegardait? Maintenant qu'on a passé les 3 heures de dialogue. Ah mon dieu. Ok. Ah bah ouais, pourquoi pas. Bah j'avais vu les dates. Ce serait du 26 au 29. Un truc comme ça. Ce serait le plus simple pour moi. Parce que les 24-25, je suis pris. Là, pour l'instant, j'ai envie de continuer Octopass. Clairement. Ah, donc, je vais continuer Octopass. Et du coup, ouais, du 25 au 29, on va se faire une pause FF14. Ah bah, parfait. mais elle est où? Non? Madame? Allez, là. Ah ouais, ah ça y est, c'est la fin du flashback là. On est arrivé au bon endroit. Liana, daijoubu?
Ophelia. しまったらみんなを失望させてしまうから、もうすぐ式年放火の儀式に旅立たなきゃいけない。Et non, brochet. Salut. Ah, j'en suis au cinquième. Parce que on en fait qu'un par jour en fait, concrètement. Donc on est toujours dans les chapitres 1. Là c'est le cinquième. Mais on va y arriver. De toute façon, c'est pas une course. Alors là, j'ai vu sur Twitter, t'as déjà des gens, ils ont déjà fini le jeu, quoi. Putain. Ils ont pas le temps. Alors, le jeu, il est sorti il y a 3 jours. 5 jours. Ouais, c'est ça, 5 jours. Il est sorti le 13, on est le 18. Ah, c'est chaud, quand même. Ouais, c'est pas mon style. Ah, surtout là, je papote. ついて、リアナ。ね。オフィリア。Ah, d'ailleurs, ce week-end, il y a la bêta de Naruto Toboruto, là, je sais pas quoi. le jeu en multi compétitif de Naruto. Ah, je pense que ce jeu, il va bien bider aussi. Hein. Il me semble qu'il sort genre fin août, un truc comme ça. Mais il y a tellement personne qui s'y intéresse. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Moi, j'ai envie de tester vite fait. Ce sera des créneaux fermés, par contre. Ah, genre 8h-11h ou des conneries comme ça. Je sais pas si je le streamerai. Mais j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ah non, ça va. Ah ça va, le jeu il répète pas tout le temps la même chose. Enfin je sais pas comment ça se passe après, mais du coup dis rien, mais... mais pour l'instant, il m'a pas répété 40 fois la même chose, le jeu. Il n'y a pas d'embrouille. La seule répétition qu'il y a eu, c'est le tuto des talents où à chaque fois il te remet l'écran général des talents et juste la toute dernière ligne, c'est le talent du gars. Ça, c'est vrai que c'est un peu con. Mais sinon, après, en dehors de ça... Ah là, je dois en être à... 12h, 13h, un truc comme ça. Je suis encore au début. Hein. Je suis encore au début. J'en fais 3h30, 4h par jour à peu près. Mais ouais, mais on est loin de Persona 5. Hein. Joue à Persona 5, tu sauras ce que c'est, un jeu qui te répète sans arrêt la même chose. Du coup, on a le flashback dans le flashback, quand même. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. À bientôt, un nouveau flashback dans le flashback. Du coup, ce sera le flashback dans le flashback dans le flashback.
Ah bah oui. À Flashbackception. Ah ouais? Ah, je m'en rappelle pas. Ah merde. Mais en même temps, vu que je papote, tu vois, je m'en rends pas compte en fait. C'est l'avantage. Ah, j'avance tout doucement, du coup, j'oublie. これからもよろしく。Ah, c'est beau. Ah, génial. Ah, ça y est. Ah, t'es devenue contente. Incroyable. Et du coup, il y a des gens qui vont l'essayer, le Naruto, là, la bêta. Ou je suis tout seul. Moi, je suis sûrement tout seul à vouloir essayer ce machin. Clairement. Mais bon, bah c'est gratuit. Hi. Mais ouais, mais je pense que ça va devenir le Metal Gear Survive de l'adaptation d'animé, tu vois. Ah mon dieu. Je sais pas s'il y aura un mode Battle Royale. Ah, j'ai hâte de découvrir tout ça. Parce qu'il y aura tous les modes de jeu disponibles, hein, dans le jeu final. Ils y seront tous dans la bêta. Incroyable. Parce que... il me semble qu'ils en avaient déjà fait une, mais ça avait pas arrêté de crasher. Ah donc, c'est pour ça qu'ils en ont fait une deuxième. Mais la première, tu vois, j'étais même pas au courant qu'elle était... bah, qu'il y en avait une, quoi. Je savais même pas. Ouah, ce drop! Oh mon dieu. Ah, ça a bien droppé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai eu une descente à zéro, d'un coup.
ça doit être la Freebox qui surchauffe. On sait pas trop. Ouais, faut F5, hein, clairement. Je sais pas ce qu'il y a eu. Mais c'est parti d'un coup, hein, ça fait 3008-0. Bon, bah pourquoi pas. D'habitude, c'est plus léger les drops, tu vois. Ça descend dans les 1000, un truc comme ça. Ouais, après, ça a pas duré longtemps. On a perdu 308 frames en tout. Ah, donc, tout va bien. Mais je sais pas, ouais. C'est bizarre. やりましょう. Ah, et bah allez, à tous à l'est. Ah, c'était là où je pouvais pas aller. Je dois la suivre seule. Venez avec nous. Venez avec moi. Allez, vite. Ah mon dieu. Ah, ce monologue qui veut rien dire. Ah putain. Voilà, et je dois tout faire toute seule. Ah, venez avec moi. Alors attends. Ah, du coup, fallait qu'on regarde comment on déplace. Ah oui, formation, voilà. Ah, genre, je mets Ophelia en premier. Est-ce que maintenant Ophelia c'est le leader? Est-ce que genre je peux virer Primrose? Je vais voir, modifier le groupe. Eh non, je peux pas modifier Primrose. D'accord. Ah, je suis bloqué avec Primrose. Incroyable. C'est bizarre. Il doit y avoir un coffre là-haut, non? Non, tu peux pas y aller? Ah si. Non, il n'y a pas un coffre? Ou un objet caché? Il y aura un objet caché plus tard. Sûrement. Allez, on va... Incroyable, mais vrai. On va jouer au jeu. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ok, chapeau ordinaire. Alors attends, ah, je perds l'attaque élémentaire, c'est peut-être pas une bonne idée. 125. Chapeau à plumes. Là je perds que 3. On va lui mettre un chapeau à plumes. Salut Karim! Ah bah ça va et toi? Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout si ça a une incidence sur le scénario. Bah, d'après les tests, j'aurais tendance à dire que non. Mais bon. J'en sais rien. Alors, PT plus 10. Ouais. Ah, elle de base. Ce sera clairement la magicienne. Réduit les dégâts de vent, de sommeil. On va peut-être lui rajouter un peu de HP. Parce que là, c'est pas terrible. Et puis, un peu de défense. Voilà. Comme ça, elle pourra tanker. Ah, du coup, non, je suis toujours dans les chapitres 1, là. J'en suis au 5e chapitre 1, sur les 8. Donc, on n'y est pas encore au chapitre 2. Il y a le temps. Et là, on en est à 14h08. Incroyable. Eh, salut Biboul! Comment ça va? Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, du coup? Ah, petit coffre. Raisin. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de raisin dans des coffres. Bah écoute, ça va super bien. Et non, j'ai toujours pas tous les persos. Je fais un perso par jour, en fait. Donc là aujourd'hui, c'est le 5e. Il faudra attendre la... J'allais dire la fin de la semaine, mais non, même pas. Parce que normalement, le week-end, après, c'est multi. Alors, est-ce que je fais de l'octopass? Je fais une entorse à ma logique. Je sais pas encore comment je vais faire.
Je sais pas trop. Mais du coup... Ouais, je vais balancer du feu un peu partout. Ah, t'as 6 persos. Ah bah, GG. Bah après, je fais pas la course. Clairement. Est-ce que... Ouais. Allez hop. De toute façon, je peux les bourrer. Ah oui, je vais le dégager direct. Ah bah bien sûr que ça se savoure. Ah, la canne. La canne qui tape à 10, hein. C'est pas terrible. Ah mon dieu. Bah, j'aurais tendance à dire qu'ils en ont 3 chacun. 4 chacun. Ah parce que... Hein, parce que du coup, t'as le chapitre 1 où du coup on te présente le personnage, ce qu'il veut faire dans sa vie. Et il y a beaucoup de personnages où après t'as 3 trucs à faire. Ah, donc je pense qu'il y a 4 chapitres par perso. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Tout va bien se passer. Era Gamer! Donc ouais, le jeu il va clairement nous faire jusque à début ou mi-août, hein, je pense. Un truc comme ça, le temps que ça avance. Ah, si je persiste à papoter pendant les dialogues... Et hop, casse-toi. Quatre fois 30 heures. Oh mon dieu. Non, il va pas me falloir 30 heures pour faire tous les chapitres 1 quand même. Oh, j'espère pas. Please. Bah oui, bah après c'est sûr que niveau sortie c'est assez calme. Après j'ai 40 milliards de jeux en retard aussi. Mais là faudrait vraiment que je me motive à restreamer le soir. Faut que je m'y remette. Et y a pas d'embrouille. Ouais, y a un coffre là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? 600 pognon, génial. Ah, bah c'est cool. Pourquoi ils agissent en premier là? C'est pas juste! Oh! Ah bah ouais! Ah bah moi je fais pareil. Alors le soir en général c'est... En ce moment c'est la détente en fait le soir. Parce que de base j'avais arrêté de streamer le soir parce que bah, j'étais malade, j'étais fatigué tu vois. Mais du coup là... c'est juste que j'ai la flemme de reprendre en fait. Puis là tu vois en ce moment je suis sur... Monster Hunter World. Ah, vu qu'il y a le festival de l'été, j'en profite pour faire toutes les tous les events que j'ai raté en cours de route. Et c'est vrai qu'après faudrait que je m'y remonte. Ok. Ah, je peux faire des appels. Ah mais il fallait que j'enrôle quelqu'un avant de venir là moi, merde. Ah, il est pas faible à la lumière. Là. D'accord. Non plus. Ah bah oui. Ah bah de toute façon après c'est pas une course. Hein. Il sera cross-platform, j'en sais rien. Bah vu que Sony fait chier, j'aurais tendance à dire non. Parce que s'il y a cross-platform, il faudrait que ce soit PS4, PC et One. Et le problème que de Sony, c'est que bah, dès qu'il y a la One, c'est mort. À moins que Capcom accepte de faire du cross-platform PS4 PC, mais je suis pas convaincu. Ah bah c'était la canne, d'accord. Je pense pas qu'il soit cross-platform. Et le jeu, je pense pas le racheter non plus sur PC. Clairement pas. Parce que
Alors, vu que le endgame, bah, il est bien moisi, mine de rien. Il y a pas besoin de... d'en remettre une couche, quoi. Ah, Monster Hunter World. Ok. Oh mais tous ces mobs, pourquoi ils mettent 4 mobs à chaque fois? Cassez-vous. Laissez-moi passer. En plus je peux rien faire. Ah il est pas, ouais, ok. Ouais, c'était quasiment sûr. Ah, surtout que t'avais... justement t'avais Capcom qui pleurait comme quoi ils étaient obligés de tout recoder pour la version PC. Soi-disant. C'était pour ça qu'ils mettaient du temps. Après j'y crois moyen, mais bon. Alors du coup si le code est vraiment différent, c'est vrai que c'est compliqué de faire un truc cross-platform. Ouais non, je suis plutôt dégager celui-là, voilà. Ça commence à taper assez fort quand même. Ok. Non, voleur, c'était pas ça que je voulais. Voilà, là je vais healer quand même. Après. Tiens, vas-y. Ah ouais, ça doit être ça, ouais, je pense. Hein. Je pense aussi. Mais du coup, ça fait des combats plus longs au final. Ah, vu que, bah, de toute façon, que t'es un perso ou que t'es quatre, tu vois, faut que tu mettes les ordres sur chaque bonhomme. Et au final, c'est vrai que c'est assez long, les combats. Ah, si j'arrêtais de parler, ça irait mieux. Aussi. Non, attends, lui, il... Ouais, plutôt sur celui-là. Quoique, ah, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah lui, je le tue, lui. Ah, voilà. Ok. Elle est pas mort. Incroyable. Mais c'est bon, ils sont rouges tous les deux. Ouais, ce sera un bon RPG, Dragon Quest 11. Mais du coup, ouais, après, Dragon Quest, de manière générale, c'est très posé comme jeu. Alors, faut pas t'attendre à des trucs de fou, tu vois. Le scénario, il est souvent assez simpliste. Et ouais, c'est posé, quoi. Faut pas t'attendre à un truc épique. Et en plus, c'est pas le meilleur de la série. Ouais, à ce qui paraît. Bah, j'espère que les améliorations de la version occidentale, elles vont faire du bien déjà. Bah du coup, je prends mage. Parce que du coup, dans la version occidentale, t'auras droit à des dashs pendant l'exploration et à une vraie interface, tout ça. Ce sera pas trop mal. Après, j'espère qu'au niveau de l'histoire et des persos, ils ont fait un minimum d'efforts, là, parce que... Le 7, c'était pas terrible. On se faisait chier dans le 7. Ok. Ah, je vais commencer à l'user, lui, je le finirai après. Ouais. Après le 9 il est assez différent quand même hein, par rapport au Dragon Quest traditionnel. Mais tu vois au final mon Dragon Quest préféré c'est ceux sur DS. Le 4 et le 5 sur DS. Ah, ils avaient été remakés tu vois. Et ils avaient gardé
Ils avaient mélangé un peu 2D et 3D, tu vois, avec des persos en 2D dans des décors en 3D, et ça rendait super bien, et l'histoire, elles étaient tellement cool, que là, les derniers, bon, ils se sont pas fait chier. Après, le 6, il a aucun sens au niveau du scénario. As-tu erre de ville en ville, mais sans raison valable d'y aller, tu vois, t'as pas de fil conducteur, t'as rien, et en fait, à chaque fois que tu débarques dans une ville, t'as une petite quête à la con à faire. Et le 7, ouais, c'était mou du genou, le 7. Ah, du coup, je l'ai abandonné en plein milieu. Je suis pas allé au bout. Mais ouais. Ah, tu vois, en dehors du 4 et du 5, mes Dragon Quest préférés, c'est le Builder. Parce qu'au final, c'est celui où on s'amuse le plus, quoi. Ok. Ah, du coup, là, c'est bon, je peux la sonner. Oui, voilà. Bah, surtout là, on va l'avoir moins cher, tu vois, avec la Fnac. On va pouvoir le taper dans les 40 balles, je pense. Sans parler du chèque cadeau de 10 euros derrière. Ça devrait être assez cool, tu vois. Ah, comme Octopath Traveler. Tu vois, Octopath, ça m'aurait fait chier de balancer 60 balles dedans. Ou même ne serait-ce que 45-50. Là, tu vois, le jeu, je l'ai eu à 35. Is ok. Avec les 10 euros de chèque cadeau derrière. Ah ouais, le Builder, il est super bien. D'ailleurs, j'attends beaucoup le 2. Ah, je trouve ça assez bizarre qu'ils aient toujours pas annoncé de date pour le 2 d'ailleurs. Enfin, j'espère qu'ils sont pas en train de faire n'importe quoi avec. Et que bah, c'est juste un problème de calendrier avec. Avec un trop grand nombre de sorties, tu vois. Parce que du coup, t'as DQ11 qui va assurer la fin d'année chez Square Enix. Et début d'année prochaine, ce sera Kingdom Hearts 3, donc... J'espère que c'est pour ça qu'ils l'ont pas encore sorti. Enfin, je pense que c'est pour ça. Ah, petit point de sauvegarde. Ok. Ah, peut-être que je vais pouvoir recruter des gens, là. Vas-y. Ah, je vais leur dire de me suivre. Dobo. Eh. Alors, est-ce que tu viens? Frappe répétée. Ouais, pourquoi pas. Hop. Et sinon, toi, tu vas voir ce que tu racontes. Prière. Ça doit être d'huile, j'imagine. Alors, vaut mieux assurer un peu de DPS. Ah, vu que de toute façon, le healer, c'est elle. Ok. Ouais, aussi, j'ai vu tout à l'heure, il y a Death Gambit qui va sortir vers le 15 août, je crois, un truc comme ça. Mais alors le jeu, je sais pas trop quoi en penser. On dirait une sorte de Dark Souls en 2D, tu vois. Mais bah, ça m'a pas l'air... Ça m'a pas l'air foufou, quoi. Ouais... Ah, il craint l'arc. Ok. Ah, ça touche qu'un ennemi. Ouais, mais j'imagine que là, ça va marcher. Bah ouais. Tout va bien.
Je vais le bourrer. Ok. Alors. Mais pas mort. Salon. Est-ce qu'il craint la grosse épée? Ah, il est quasiment mort. Ouais, c'est bon. Ah, j'aurais peut-être dû le capturer. Dame Ned. Ah, j'ai merdé. Est-ce que je peux en capturer un? 75% de chance. Ouais, vas-y. J'y crois à fond. Cro-narcotique. Ah, ouais. Alors. Ah, du coup, c'est une dague. À 6 utilisations. Lui, il a l'air moins efficace. Multi-attaque. Et lui, double frappe. Enfin, je garde le double frappe. Ah, yep. Mais je m'en sers pas assez, là, de mes monstres. Alors, faudrait que... Oh, loup. Et le loup, c'est pas le même. Ah, Dead Cell, ouais. Dead Cell, j'ai bien aimé, hein, clairement. Il est cool, le jeu. Ah, si vous l'avez pas encore acheté, bah, achetez-le quand il sortira. Allez, je bourre. Et Dead Cell, c'est fin août, c'est ça? Ah, y a tellement de jeux qui vont sortir. Ah, c'est chaud. Ah bah ouais. Mais j'avais adoré la bêta de Dead Cell. C'était tellement bien. Je vais peut-être me healer, non? J'en suis où? Ouais, l'autre, il a plus de PV. Ah, ça coûte 8. Ah, de toute façon, elle va level up rapidement. À début août. FF15 version royale, non. Je l'ai fait en version Day One, FF15. C'était assez drôle. Et du coup, bah là, j'attends la version définitive. Ah, tu vois. Avant de m'y remettre, histoire de voir ce que les développeurs considèrent comme un jeu fini. Parce que du coup, en Day One, il était clairement en version bêta, le jeu. Voire en alpha. Donc, je suis curieux de voir à ce que ça va donner en définitive. Ah, Phantom Doctrine. Ah non, je connais pas. Ah bah non, c'est pas la version finie. Ah, parce qu'en 2019, ils vont ressortir toute une série de DLC, genre avec Luna Freya, Noctis et je sais pas qui. Ah, histoire de compléter un peu le gruyère. Parce que le jeu, c'est un gigantesque gruyère. On va pas se mentir. Ah, du coup, ils y vont... Mais tu vois, contrairement à n'importe quel développeur qui, du coup, corrigerait le jeu à grand renfort de patch, chez Square Enix, c'est encore plus des génies. Du coup, ils font des DLC payants pour corriger le jeu. Attends, non, là, c'est que deux. Ah, ça vaut pas le coup. Et du coup, ouais, normalement, ils auraient dû sortir leur série de DLC en 2018. Mais finalement, ils ont préféré rajouter du contenu pour Comrades, je crois, à l'extension multijoueur de FF15. Et pour les DLC solo, bah, ça attendra 2019. Mais je pense que c'est ça doit être purement marketing. Parce qu'à mon avis, après, derrière, en 2020, ils vont sortir le premier épisode de FF7 Remake. Et du coup, après, soit ils blinderont le premier épisode de FF7 Remake avec des DLC, soit ils feront un épisode chaque année, quoi. À mon avis. Je pense. Hein. Enfin, je le vois comme ça, perso. Même si bon, j'ai pas...
Ah, j'ai pas la prétention de tout savoir. Donc... Autant je suis à côté de la plaque. Mais à mon avis, ouais, Square, ils essayent de transformer FF, la série FF en une sorte de jeu service, mais solo, tu vois. C'est un concept, on sait pas trop. Un peu comme à l'époque où ils avaient essayé de lancer leur propre Kickstarter. À Square Enix, ils ont leur propre Kickstarter. C'est un concept un peu bâtard, tu sais que ça marche pas, mais ils tentent quand même. Ah bah FF7, moi ça me fait mal au cul parce que j'ai un peu peur d'être obligé de passer à la casserole en day one, tu vois, à cause du fait que je stream. Mais sinon, clairement, moi je vous conseille d'attendre la version définitive. Ah, merci pour le raid, Kirei. Et bienvenue à tous. On est toujours sur Octopass à coincer dans les méandres des chapitres 1. Parce que on passe notre temps à papoter en fait. Ah, là présentement on est en train de parler de FF15, qui n'en finit plus avec ses DLC. Et du coup on disait que FF7 remake il allait sûrement prendre le relais de toute cette connerie quoi. Ah, FF7 Remake, ça va devenir le jeu service solo de Square Enix, tu vois. Et coucou, comment ça va? Ça s'est bien passé du coup? Ah, ça fait plaisir. C'est super sympa. Mais du coup, ouais, là, dans Octopass, on en est au cinquième personnage. Hein. On fait un chapitre par jour, et là, c'est le cinquième. On va réussir à compléter l'équipe un jour. J'y crois à fond. Ouais, t'as Hitman en épisodique aussi. Mais tu vois, Hitman, c'est honnête quand même. Ah, ils te font pas des DLC dans chaque épisode. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Et une fois que tous les épisodes ils sont sortis, t'avais l'ensemble qui était à un prix honnête. Ils ont pas fait les enculés. Que HF7 Remake, tu vois, je pense que chaque jeu, tu vas le payer 70 balles. Je pense pas que Hitman, l'épisode 1, tu l'aies payé 70 balles. Ça m'étonnerait. Ah, faudrait que j'essaye un jour les Hitman. J'ai toujours regardé la série de loin, tu vois. Je m'y suis jamais mis. Bah, Nomura soutient que du coup, le jeu, il est... Il est fini, alors, il sortira fini et tout sans problème. Mais du coup là, 3 jours après, il commençait déjà à dire oui, peut-être qu'on ajoutera des mondes en DLC. Parce que du coup, apparemment, le jeu, j'ai pas lu exactement le nombre, mais il y en a pas beaucoup de mondes de base dans le jeu. Et ça, ça fait mal au cul quand même. Alors, depuis le temps qu'on l'attend, ce jeu, alors, t'imagines, en 30 heures, il est torché. T'imagines, en 20-30 heures, t'arrives à la fin. Ah putain, ah, c'est chaud quand même. J'espère pas. Hein. J'espère pas. Est-ce qu'il craint la grosse CP lui? Non, même pas. On va d'abord dégager celui-là. Ah, t'as fini tous les chapitres 2. Ah, bah GG. Moi j'en suis pas encore là. En septembre, je serai encore sur Octopass Traveler, tu vas voir. Ah, l'angoisse. Non, mais il y a un moment où je vais accélérer, forcément. Ah, il craint le sceptre. Ah, t'as fait que Absolution. D'accord, ok. Et il était bien ou pas? Mais bon, déjà au moins Kingdom Hearts 3, t'as pas l'impression d'être devant un jeu en alpha, quoi. Au moins, techniquement, il a l'air fini, le jeu. Au niveau de la modélisation, des animations, tout ça, il y a pas l'air d'y avoir trop de soucis. Même si j'ai pas trop regardé les trailers, tu vois. J'ai vu passer un ou deux screens de loin. Parce que bon, bah, comme d'habitude, hein, moi, je veux pas me spoiler, de toute façon. Donc... Ah, c'est bon, on peut bourrer.
Tu vois, je vais le bourrer celui-là, comme ça, ça le met direct en faille. Et après, l'autre, je pourrais le mettre en faille tranquille. Why Mandor ? Ah, le salaud ! Et hop ! Ashine Kudasai ! Ok. Ouais, le dernier, j'en ai entendu que du bien. D'ailleurs, il me semble qu'ils en ont fait un deuxième, du coup. Enfin, qu'ils sont en train d'en faire un deuxième. Il y a un coffre là-bas. Ah oui. Non, mais les passages, des fois, c'est du pif total. Tu sais tellement pas. Faudrait que je capture des mobs aussi, ici. J'en capture pas. Alors, je sais pas pourquoi je veux partir direct en exaltation, ça sert à rien. C'est tellement une connerie de faire ça. Je vais essayer de me capturer une grosse chauve-souris. Noctule albinos, noctule blanche. Ah, c'est pas les mêmes. Ok. Ouais, je vais d'abord tuer la petite. Et j'essaierai de capturer la grosse. Et si je lui mets un coup de bâton, elle passe en faille? Non, il passe pas en faille. J'ai toujours pas trouvé l'arme qui lui faisait mal. Ok. Là, on peut le bourrer, ça va le tuer, ça. Ouais. L'épée? Non plus. Ah, il a mal quand même, hein. Ah, si j'y vais à la hache, fais voir. Non, c'est pas la hache. Ah, c'est vrai que j'ai lui aussi, ouais. Faudrait que je l'appelle un jour. Ok. Ça rend pas beaucoup de PV en fait, ça. Elle est encore trop lotière, la madame. C'est pas terrible. Non! Ah, je voulais mettre les bouboules. Je me suis trompé. Tu crains l'épée? Elle craint pas l'épée. Je me rappelle plus avec quoi je l'ai tapé ou pas en fait ce mob. C'est terrible. Ah, ça y est, l'autre elle est réveillée. C'est pas sur Mars. Ah, bah tout va bien. Mais tu vois, mais. Tu. Bon, t'es un peu ironique, mais moi j'approuve. Ah, j'applaudis. Parce que au moins les gars. Ils ont livré un jeu complet, et après ils font un DLC, et du coup, bah là, ils partent dans un délire, tu vois. Alors moi, j'aime bien ce genre de DLC. Au moins, t'es sûr que ça faisait pas partie du jeu de base. Y a pas d'embrouille. Alors attends, moi, je vais bourrer un peu. Hein. Ok. Et là, est-ce que je peux la capturer? Ouais, c'est bon. Ah, mais Cro narcotique, mais je l'ai déjà capturé, ça. Attends. C'est où? Ouais, Noctule Albinos, j'en ai déjà une. Ok. Et du coup, je vais appeler le healer. Mon gorille Nemusu. Mais non, mais pas elle! Connard! Il y a un gars, il lui reste 131 PV, le cochon il va soigner l'autre connasse! Mais t'es sérieux? Ah putain, ah ce troll! Faut que je m'en débarrasse de celui-là, il fait n'importe quoi. Le jeu des trois. Ah ouais, ah non, bah sans moi. Du coup, des trois. Ah, je crois que Tomoe, il a bien aimé des trois. Ah, tu peux en discuter avec lui, mais moi, je suis pas fan du tout de. Ah, des productions de David. Ah, ça me passe un peu au-dessus. Allez. Ah, perruque argentée. Ah, je savais que ça valait le coup de venir. Une belle perruque. Tout va bien. Alors attends, inventaire, voilà. Ah, j'ai 38 machins. Voilà. Hop. Et salut Black Sea et Cyril. Comment ça va?
Mais du coup, ouais, en termes de RPG, en fin d'année, là, on va être servi. Hein. Oh mon dieu. Sans même parler de Monster Hunter, qui est un jeu du Farm Infini. Mais il y en a au moins un par mois de JRPG là, qui sort en fin d'année. Alors, jusque début d'année prochaine. Ça va être tendu, hein. Ah, toi aussi! Oh mon dieu! Mais tout le monde est passé sur ce jeu, en fait, hein, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que cet été, il n'y a rien qui sort. Hein. C'est assez affolant, je trouve. Parce que... Ah, du coup, nous, on se fait un peu chier. Et du coup, niveau éditeur, bah, il loupe clairement des ventes faciles. Hein. Ah, je veux dire, genre on en parlait tout à l'heure, là, de Naruto Toboruto, là. Hein, qui a sa bêta ce week-end. Mais genre, si le jeu il était sorti en juillet, tu vois, je pense qu'il aurait trouvé son public. Hein. Genre, il l'aurait balancé juste pour la Japan Expo. Je suis sûr ils auraient fait banco, les gars. Et tout ce qui est My Hero Academia, là, Black Clover, tous ces jeux de merde qui vont se planter en fin d'année, on le sait déjà. Ah, ils auraient tellement pu avoir leur public pendant cet été là. C'est dommage, hein. C'est complètement con. Ah, j'ai pas ma liste là. Ah putain. Faut vraiment que je copie et que je colle ma liste de mon PC fixe sur mon portable. Mais attends. Enfin, je réfléchis. Je suis sûr qu'il y en a un par mois. Je suis quasiment sûr. Ah, Disgaea Complete, ouais. Mais il me semble qu'il y a que décembre où il n'y a pas de RPG. Bah, il n'y a pas de jeu en décembre, en fait. Il y a Smash Bros le 7, mais sinon après, on sait pas trop. Le planning en décembre, il est vide, clairement. Mais du coup, en septembre, t'as Dragon Quest, t'as le Valkyria, tu peux vaguement le considérer comme un RPG, même si c'est plus du tactical. À la fin du mois, t'en as un autre. Ah putain. Ah mais j'ai pas de mémoire, c'est horrible, hein, c'est horrible. Il faudrait que je copie, que je colle ma liste sur mon PC fixe parce que à tous les jours on parle du planning de fin d'année et chaque fois je me rappelle jamais ce qui sort. c'est horrible. Ah, j'espère que vous connaîtrez jamais cette sensation parce que c'est vraiment pas bien. Pourquoi j'ai bourré la chauve-souris? J'en sais rien. Ah, je fais n'importe quoi. Allez hop, casse-toi. Divinity 2 fin août, ouais. Bah c'est un RPG quand même, ouais c'est un jeu de rôle. Ok. De toute façon là il va se prendre un coup de bâton. Ouais, il y a l'autre qui arrive derrière, c'est bon. Allez, on va mourir maintenant. Par contre, il y a un jeu qui m'inquiète là. C'est Unruly Heroes. Ah, le jeu, il est censé sortir en 2018. Bon, déjà, on n'a toujours pas de date. Et là, là, il y a une preview qui est sortie sur Gamekult tout à l'heure. Et apparemment, bah, le jeu, du coup, il a un peu la même DA que les Rayman Legends, c'est pour ça qu'il m'intéressait. Mais du coup, après, niveau gameplay, enfin, niveau mécanique, level design, tout ça, ça a pas l'air top, d'après ce qu'ils disent. Ah, je trouve ça tellement dommage, parce que le jeu, je le surveillais. Ouais, j'en avais fait un morceau en stream, ouais. Je l'avais abandonné parce que du coup... Ah, c'était un peu la foire au bug et tout, ça m'avait saoulé. La manette, elle marchait une fois sur deux. Ah, j'étais... Ah, du coup, je l'ai désinstallé. Je suis jamais revenu dessus. Ah bah ouais. Ah bah c'est le problème des jeux en multi, ouais. Faut trouver le temps pour le faire aussi. C'est compliqué.
Ouais, bah je l'avais fait à la sortie et bah j'avais l'air d'être un cas un peu isolé, quoi. Alors je sais pas, peut-être qu'il y avait eu un problème pendant l'installation ou autre, mais du coup, bah voilà, ça m'a un peu pourri l'expérience et je suis passé sur autre chose. Mais peut-être que je retenterai un jour. Enfin, je dis ça, j'ai 40 milliards de jeux à faire, donc je pense pas en fait. Mais bon, on sait pas. On sait pas. Peut-être. Ah, du coup, Tomoe, par contre, j'ai vu le film Tomb Raider. On en parlait l'autre jour, ça y est. Ça y est, je l'ai vu ce film. Mais bon, du coup, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. On est bien d'accord. Mais niveau scénario, ça tient quand même plus la route que le premier reboot. Parce qu'en fait, c'est une sorte de remake du premier reboot, là. Enfin, de remake du reboot. Mais ah, du coup, bah, je préfère avoir le scénario du film que d'avoir l'armée de Mongols, là, avec. Ah, le gars qui se suicide pour rien, ah, l'autre qui se suicide pour un tournevis, ah, les faux prisonniers qui sont dans une cage où chaque barreau est séparé par 2 mètres de vide. J'ai trouvé le film plus cohérent que le jeu pour le coup. Il y a pas d'embrouille. Mais bon, après je me serais passé volontiers de toute la première partie de Lara dans la ville là. Ça avait pas d'intérêt. Et l'histoire, bon, du chinois qui arrive, qui devient ami pour la vie au bout de 4 secondes de discussion, on sait pas trop non plus. C'était un peu l'incompréhension, mais pourquoi pas. Ah, c'était moins navrant que le jeu, quand même. Ah, le jeu, il avait tapé très fort. Oui, voilà, ça occupe pendant 2 heures. Bon, d'ici 2 jours, j'aurai tout oublié, hein, clairement. Mais voilà, ça se regarde. Mais bon, j'ai pas trop sorti les facepalms. Bon, le plus gros problème du film, en fait, c'est que les 3/4 des acteurs, ils savent pas jouer. Hein, du coup. Bon, déjà, il y en a aucun qui a du charisme. Mais bon, bah ça. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais ils savent pas jouer, quoi, les gars. Ça, par contre, c'est compliqué. Un acteur qui sait pas jouer. Bon, c'est pas pour rien qu'on les voit jamais, ces acteurs aussi. C'est peut-être pas une coïncidence. Hein. Ouais. Bon, ça va, il va encore bien. Bon, par contre, s'il pouvait arrêter de dormir. Merci. Parce que là, du coup, ouais, j'ai un hit qui peut taper. De toute façon, lui, il est mort. Hein, quasiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bourrer l'autre à l'arc. Comme ça, Therion, il peut. Il peut en achever au moins un. C'est plutôt celui-là. Voilà. Manque beaucoup d'acteurs, de personnages, tu veux dire, ouais. Bah du coup, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un remake du reboot, tu vois, c'est une autre lecture, quoi. C'est la même histoire de base, mais en différent. Clairement. Ah, alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a que de la merde. Alors, du coup, je vais peut-être me soigner. On va peut-être faire un petit instant menuing aussi. Est-ce que j'en mets une couche? Bon, ça devrait aller. Histoire de... Ah, d'investir dans des aptitudes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Inflige des dégâts de lumière à tous les ennemis, ouais.
Les PV de tous les alliés, ça coûte 25. Ça permet à un allié de renvoyer la magie pendant un tour à résurrection. À résurrection. Hors combat. Mais pourquoi hors combat? Mais c'est nul. Ah, c'est de la merde en fait. Ah, je vais prendre le soin supérieur, sinon j'ai peur de pas tenir. Et là, le prochain à 100. Affiche des dégâts de lumière à tous les ennemis. Ça peut être pas mal, ça. Ok. Alors, du coup, là. Hop, hop. Rallonge d'un tour la durée des effets bénéfiques reçus par le personnage. D'accord. Et lui, il a toujours rien de plus, lui. Et lui non plus. Et je peux rien leur acheter. 500. Ah si, lui, je peux. Ah bah si, je peux. Ok, c'est bon. Ah oui, oui. Ah, on est d'accord, la nouvelle Lara, elle fait plus le taf. Hein. Ah, même si, bon, moi, je la trouve un peu jeune, mais... Bon, après, ça raconte ses débuts, donc c'est normal aussi. Mais ouais, ouais. De toute façon, ça pouvait difficilement être pire, hein, clairement. D'accord, réduit la défense d'un ennemi pendant 2 tours. Ouais. Ah oui, c'était ça que je voulais acheter. Ok. Et du coup, elle... À l'ennemi touché agira en dernier, ouais, ça bof. Lance une attaque physique qui ne peut pas tuer l'ennemi, ouais. Et chance de coup critique et la précision de tous les alliés augmente pendant 2 tours. Ça, on sait pas ce que c'est. Ah, je sais pas. Allez. Ok. Comme ça, on débloque les aptitudes pétées. Alors, augmente la vitesse du personnage de 50. Ah, bien. Et là, les chances de coup critique de 50. Ok. Donc ça aussi, ça va devenir un perso à coup critique. On va avoir 2 persos... Un full critique alors? Parce que là du coup elle a quoi comme truc? Attaque plus 50, ouais, on va garder ça. Le Shadow of Tomb Raider, ouais, je vais sûrement le faire, mais peut-être pas en Day One. Parce qu'il sort, mi-octobre je crois. Donc je pense pas qu'on aura fini Valkyria 4. Je sais pas trop comment ça va se goupiller encore. Et puis, bah, je le prendrai quand il sera dispo chez mon ami Skydro, évidemment. Je vais pas payer pour un jeu qui s'annonce comme étant dans la droite lignée du 1 et du 2. Il y a pas d'embrouille. Moi, je finance pas ça. Ça me fait beaucoup marrer, mais bon, il y a plus intéressant à financer. Ah, mais bien sûr! Bien sûr que je vais guider l'humanité. Ah, mon Dieu! Ouah, c'est un géant. Alors... Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par ça. On va tâter le terrain. Avec un l'épée. Ok, on va appeler l'autochtone. Vas-y, autochtone. Attaque. Ah, ça craint le sceptre. Voilà, un chevalier de la chapelle ardente. En avant! En plus, c'est bien, c'est une épée, donc il craint le truc. Ah, génial. C'est parti pour une heure de combat avec une défaite. Ah bah ouais.
La base. La base. Ah, est-ce qu'il craint le feu? Je pense pas. S'il craint le feu, c'est un mongol. Parce que le gars, il protège du feu. Ce serait très bizarre. La dague? Ah, il craint la dague aussi. Ok. Il craint pas la lumière. Est-ce que tu crains la hache? Il craint pas la hache. Alors, lumière, on a dit non. Clairement. Il craint le sceptre. Enfin, deux coups. On va continuer comme ça. Ah oui! Ah, l'autre, il l'a mis en faille. Ah bah, parfait. Ah, du coup, là, c'est le moment de bourrer. Est-ce que j'ai une aptitude de danseur pour bien bourrer? Grâce déroulante. Ah oui, c'est le truc aléatoire. Ok. Non, bah on va y aller comme ça. Alors. Ah, lui, est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il a un truc intéressant à voler? Je sais pas trop. Non, mais je le ferai plus tard. Vol de pété. Partage de pété, non, on s'en moque. Voilà. Alors, vaut mieux taper bien fort. Attends. Est-ce que j'ai un coup intéressant? 5 à 8 fois à l'arc. De toute façon, il craint pas l'arc. Ouais. Non, c'est pas ultra intéressant. On va appeler des bébêtes. C'est quoi ça? Ouais, c'est le même truc. Griffe narcotique. Faut voir. Ah, 1500. Ah ouais, pas mal. J'approuve. Là, par contre, ça fait rien de spécial, j'ai l'impression. Bon, on peut toujours taper en lumière. Parce que le sceptre, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Là non plus, 479, c'est pas top. Hein. Mais l'autre, il part déjà. Salaud. Un bûcher. Ah bah non. Alors, ah, du coup, on est reparti. Mais là, je tape pas mal dans ses faiblesses quand même. Je pense pas qu'il fasse long feu, le gars. Et si j'envoie l'ingle? Ah ouais, ça tape aussi, d'accord. Okay. Par contre, j'ai toujours pas compris l'histoire de l'épée et de la lance là dans ses coups à l'ingle. Ah là, si quelqu'un a compris comment ça marche, je suis intéressé. Ok, l'autre il repart. Ah, je vais temporiser, non, je vais pas l'appeler tout de suite. Après, j'ai pas grand chose à faire avec elle, en fait. Parce que là, ça va l'affaiblir encore. Ouais, c'est pas grave. 250, ah oui, quand même. Oh mon dieu, sa contre-attaque, ça affaiblit encore. Ah bah tiens. Ah bah, c'est pas perdu, en vrai. Et hop, à coucher. Mais lui, je vais pouvoir le stun en boucle, en fait. Y a pas d'embrouille. Ça devrait bien se passer. Autochtone à 4. Mais j'ai la dague. Après, ouais, non. Je vais... Attends. Si je fais ça... Là, ça dure 4 tours. Est-ce que dans 4 tours, j'aurai assez? Ouais, ça devrait être bon. Et c'est que d'un allié, par contre. Donc il vaut mieux privilégier Therion. C'est dommage que ce soit pas tout le monde. Allez hop. Donc elle, on peut lui faire appeler l'autre. Voilà. Ah, le rejoint encore. Et la hache. Enfin, la hache, ça marche pas. Là, il en est une fois 3. On va attendre le prochain coup. Donc.
Ok. Tiens, vas-y. Rappelle ton autochtone. Et là, il vaudra mieux que je soigne. Non, je vais healer après. Là, je vais le taper. Je vais attendre qu'il rejoue un coup. Voilà, comme ça je peux faire un super heal. Tout va bien. Ah, ça fait un bon trou dans le mana quand même ce sort. Ah, c'est faut y aller mollo. Ok, il est jaune. Donc il va pas faire long feu. Ok. Allez, accouchez. Et là on envoie la max. A que 3. Ah ouais, mais c'est vrai qu'elle a... Elle avait utilisé une bouboule avant aussi. Ça aide pas. Non, c'est pas ça. Si c'était ça. C'était qui déjà? Ouais, c'était sûr. Voilà. Après, elle, vaudrait peut-être mieux qu'elle soigne. Non, j'en sais rien. On va y aller comme ça. De toute façon, il a quasiment plus de vie. Non, c'était... Fallait pas faire ça. Ça, c'était tellement de la merde. Oh mon dieu. Mais là, il le tue. Non, même pas. Ah, je joue encore, d'accord. Et puis, tant mieux. Ok. Donc là, admettons... Alors je peux faire un piège immobilisant. Et donc là du coup je vais encore gagner 4 tours en fait. Enfin 4 actions avec les 4 persos. Alors, vu qu'il va rester stunné là. Si je fais ça. Non, j'en sais rien, ça a pas eu l'air de bouger. Alors attends. Alors, dans le doute je vais préparer des huiles. Voilà. Ah non, j'ai pas eu les bouboules. Ah bah les voilà. Non mais c'est bon. Ah, fallait pas vous sentir obligé de venir. Ah mon dieu. Attends. Ah, je vais rappeler l'autre abruti. Ah, vu qu'il tape large. Ah ouais, mais ça le... D'accord. Ah oui. Ah oui. Ah, j'ai quasiment tué le boss sans déclencher son script, dis donc. Ah merde. Ah bah mais du coup ça va pas être la même là. Bon bah allez, on va tester un peu tout. Hop. Alors appel de bête. Un double frappe. Glaciation. Je pense pas qu'il soit sensible à la glaciation. Chronarcotique. On peut voir. Ah, l'homme lézard, j'utilise jamais. Ah, sinon, je peux balancer un tir sur tout le monde. Attaque tous les ennemis 5 à 8 fois, voilà. Allez hop, voilà, tout stun. Je pense qu'ils sont contents d'être venus, les gars. Tout va bien se passer. Donc là du coup j'appelle mon autochtone de la lumière et il va balancer la lumière. Connard. Oh putain. Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Tout va bien. Eh, first try. First try. Easy. J'ai fait ça toute ma vie.
Ah mon dieu. Mais c'est parce que j'ai passé toute la matinée à aller voler tous les villageois de tous les villages. Donc j'ai récupéré un petit peu de stuff pété au milieu. C'est pour ça que c'est plus simple aussi. J'ai plus de défaite. Ah oui, ah pas mal, pas mal. Ah les bonnes ambiances. Bah ouais, mais du coup c'est les DPS check ça. Ah t'en as souvent maintenant dans les RPG. Ah, pour vérifier si tu fais assez de dégâts ou pas. Ah peut-être une mesure anti speedrunner en fait. On sait pas trop. Ah incroyable. Ah, je suis digne. オフィリア。ペロン。わあ、merci pour les bits, gamer! Ah, pour le combat réussi du premier coup. Ah bah ça fait plaisir. Ah, je vais essayer de développer mon skill du coup. Ah, si à chaque fois que j'arrive à first try un boss, on me file 100 bits, moi y a pas de problème. Mais du coup, ouais, d'ailleurs j'ai vu, ah ça y est, on peut farmer gratuitement les bits aussi en France, hein. Quand tu cliques sur le symbole des bits, là dans le chat, du coup, t'as une option regarder les publicités, en plus de payer avec de l'argent. On t'en ramasse que 5 à chaque fois, mais bon, tu t'en fous quoi. Par contre, faut désactiver Adblock. Moi, je me suis fait avoir ce matin. Sinon Twitch il aime pas, il te fait nope. Mais du coup tu laisses la pub dans une... Tu la mets en muette, tu sais. Ah, tu la laisses défiler et puis ça te fait des bits gratos comme ça. C'est stylé. Avant t'étais obligé de passer par Opera, tu sais, pour avoir un VPN gratuit et faire croire à Twitch que t'habitais aux États-Unis. C'était de la merde. Là c'est plus simple. Ouais, parce que t'as une limite par période en fait. En général, y a un peu tout le monde qui dit un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui disent que ça, c'est un peu tous les jours et au bout d'un moment en fait ça se bloque jusqu'à une certaine période. Mais personne n'a réussi à identifier cette période en fait. C'est un peu bizarre. Je sais pas comment c'est géré. Mais bon. Ah, tu sais, même si tu peux en choper genre une centaine, c'est toujours ça. なんだね。お願いです。オフィリア。オフィリア。はい。あ、バウェ。Bon après ça je m'y risquerai pas parce que j'imagine qu'ils peuvent facilement te repérer avec ton adresse IP ou autre. Et j'avoue que ça me ferait chier de me faire striker ma chaîne pour 10 centimes. Hein.
C'est bon. Ah voilà quoi. Ah, c'est pas le truc que j'essaierais, clairement. Mais du coup, tu sais, si t'as... Ah, si t'as envie de soutenir un ou plusieurs streamers, t'arrives, tu fais des doubles comptes et tu disperses les bits un peu de partout. Et, là, ça passe. Mais du coup, ouais... je pense pas que ce soit une bonne idée de te donner de l'argent à toi-même. Oh. Ophelia. Liana. Demo. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais bon. Ah, surtout que t'inquiète pas, ils se font aussi leur marche sur les pubs, hein, clairement. Ah, genre, t'as l'annonceur, ils doivent leur filer genre 15 centimes pour chaque pub qui sont visionnés. Eux, ils arrivent, ils en filent 5. Ah, sous forme de bits en plus, donc ça leur coûte même pas 5 centimes au final. Ah mon dieu. Oui. De toute façon, Twitch, c'est un peu comme les casinos, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras jamais le gagnant. Le seul vrai gagnant, c'est celui qui tient la boutique, quoi. Ah, donc, dans le cas du casino, c'est le casino qui prend le pognon, et dans le cas de Twitch, c'est Twitch. Hein. Même s'ils ont l'air généreux, faut pas se leurrer non plus. C'est pas innocent. オフィリア、お前は本当に優しい子だね。大司教様。原初の洞窟に行ったのは私とリアナのためだろう。 Ah bah bien sûr, Surag. お前が儀式を行うようになったことは、私から強行聖火にお伝えしておこう。その心構えと手順はリアナに聞くように。時間は少ないが、お前なら大丈夫だろう。大司教様。お前の優しさは。 聖火のようだ。そして本当に温かい。大司教様、私は。 Ah bah oui. Ah du coup, c'est qui MC? Moi, je comprends plus rien. Que des mecs comme mecs. Ah, j'imagine que tu parles de Super Ninja, là, je sais pas quoi. Ah, celui qui fait du PUBG. Non. Ophelia, watashi wa kimi o hikitoru toki ni aru yume wa utatta. Ah. Ou MV, ouais, ça marche. Je connais pas MCM, mais c'est parce qu'il est populaire. Moi, je connais pas ce qui est populaire. Je suis has-been. Oh mon dieu. J'ai fait un rêve. Sérieusement. Ah
リアナは本当によくできた娘だ。大司教の娘として期待に応え続けてきた。だがその期待に応えようと無理をしてしまうところがよくある。リアナには言っていないが。Bah ouais, c'est ça, Suiraï. Non, mais moi, de toute façon, moi, je suis un peu dans ma bulle, en fait. Clairement, clairement. C'est pas bien, je sais, mais j'en ai tellement rien à cirer aussi. Genre, tu vois, là, t'as eu la Coupe du Monde. Dans l'équipe de France, je connais Mbappé. Où le gars, je le connais de nom et j'arrive à visualiser sa tête. Et Giroud, je connais de nom. Voilà. C'est tout. Après, je sais pas. Et si l'entraîneur, c'est Laurent Blanc. Lui, je le connais. Là, il n'y a pas de souci. Mais après, le reste, j'en ai strictement qu'une foutue idée. Ah, c'est compliqué. Mais voilà, moi je joue à Octopath Traveler aussi, j'ai pas le temps. Ah Didier, qu'est-ce que j'ai dit? Laurent Blanc, ouais j'en sais rien, j'ai tout mélangé. Ah ouais, Laurent Blanc, ah merde, ah bah non, ah mais c'est lapsus, ah, c'est comme quand je dis Bravely Default alors que je parle d'Octopath Traveler. C'est faut le temps que ça monte au cerveau. Pardon. Laurent Blanc. Ah merde, non pas du tout. Ah même moi je le sais, tu vois, que j'ai raconté une connerie. Je suis désolé. Pardon aux familles, tout ça. C'est le même mais sans les dents. Oh mon dieu. Ah ça parle mal. Ah bravo. お前たちはどちらも私の自慢の娘だ。大司教様。いいえ、父様。ありがとう、オフィリア。それじゃあリアナ、行ってきます。オフィリアも気をつけて。今日は父様の具合も良かったみたい。自分もオフィリアを見送るんだってずっと聞かないんですもの。だいぶ元気になられましたね。フィリアに謝らなければいけない。リアナ。Ah bah ouais, ah bah c'est sûr que sur les gros streams, le streamer il peut pas se permettre d'avoir une discussion suivie avec un seul viewer parce que bon déjà il faut en tant que streamer il faut réussir à choper la phrase du gars pendant que le chat défile et ça c'est pas forcément gagné. Mais pendant que t'es concentré sur une seule personne forcément bah t'es pas concentré sur les autres, tu vois. Et les autres, ça peut vite les saouler aussi. Ah, donc... Après, c'est pas les mêmes... C'est pas la même ambiance, on va dire. Ah, c'est pas le même type de divertissement. Ah, tu vois, moi je vais chez MV, tu vois. Je vais chez Ken Bogard, tout ça, tu sais. Et quand j'y vais, j'arrive, je pose le stream et je joue en même temps, je fais autre chose. Alors, j'essaye même pas de participer parce que... Ça sert à rien. Parce que bon, même quand les étoiles s'alignent et que par miracle il arrive, il voit ton message, bon déjà il faut qu'il ait envie de le commenter, et même s'il le commente, au bout de 3 secondes c'est fini quoi, il est passé à autre chose. Ah bah oui.
Ah, le fameux... Putain. Et c'est mort, les guignols, maintenant. Mais ils ont suicidé les guignols. Hein. Ah, ils ont vu que le fait de les supprimer purement et simplement, ça marchait pas. Ah, du coup, bah, ils ont pourri l'émission. Et bah, du coup, ils l'ont supprimé une fois que tout le monde s'en foutait, quoi. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Maintenant, on n'a plus d'équivalent comme ça. Maintenant, c'est tellement tout que du politiquement correct. Ah, c'est chaud. C'est pour ça que je regarde plus la télé aussi. voilà, j'avance pas trop vite. Exactement. Comme ça, vous pouvez jouer à un autre jeu en même temps. Et vous pouvez voir les deux jeux en même temps sans rien louper. Et ça, c'est extraordinaire. オフィリア、ごめんなさい。気にしないで。私こそ勝手をして、ごめんなさい。今ならオフィリアの優しさがよくわかる。他の誰でもなく、あなたが変わってくれた。 Mais tu vois, c'est vrai que ça manque toujours de la touche d'avance rapide, quoi. Ah, genre, même dans le... à Trails of Cold Steel, ah, là que j'avais commencé le soir sur PC, tu vois. Ah, le jeu, il est ultra lent du cul, mais au moins sur le portage PC, t'as la touche avance rapide. Donc même pendant les cinématiques où tu vois les gars, ils se font chier à chaque fois, ils font des travelling de 15 ans qui descendent tout doucement, ça fait tellement du bien de pouvoir passer ça vite. Ah, surtout que les travelling, ils aiment bien ça dans Cold Steel. Ah, les enculés. Les gars, ils grattent. Flame Grace. Soresore no machi no seika ni sosogibi o okonau no ga shikinen hōka no gishiki desu ne. Nagai tabi ni naru kamo shirenai kedo, nani ka areba sugu ni tasuke ni modorimasu kara. ありがとう。オフィリアも気をつけて。まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。聖火のお導きがありますように。 Ayam Setsuna, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai souffert. Ah putain, ah l'angoisse. Ah si tu l'as pas fait, le fais jamais. C'est horrible ce jeu. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est horrible dans le sens, y a rien... tout est moyen. Tout est moyen dans ce jeu. À chaque fois, c'est ni bon... Ah, ni mauvais. Mais par contre, la fin, elle est catastrophique. Oh, le dernier donjon d'Ayam Setsuna, quelle horreur. Mais quelle horreur. Ah, c'était terrible. Ah ouais, ah, gros souvenir. Eh ben oui, et regarde. Mais n'empêche, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. C'est terrible. Hein. Là, on arrive, c'est moins quart. Et paf. Alors, le jeu, il arrive, il te fait, bah voilà... Vas-y, c'est bon, tu peux t'arrêter. Bon, du coup, les quêtes annexes, je m'en occuperai hors stream. Ah, sauf si vous avez envie d'en voir, éventuellement. Ah, dites-le-moi. Ah, j'en garderai 2-3 sous le coude pour les faire. Il est où le point de sauvegarde? Je voudrais sauvegarder. Comment on part de là? Non, c'est là-bas. Je vais sauvegarder avant de partir de cette ville. Mais du coup, ouais, si les quêtes annexes vous en foutez, je l'ai fait dans mon coin. Mais ouais, du coup, si tu connais pas Ayam Setsuna, c'est... Ah non, je l'ai toujours pas fait. Ça fait genre un an et demi
à qui l'est posé. Voilà, alors le jeu, il est là avec FF12. Ça fait un an et demi qu'ils sont là. Et que j'essaye de trouver un créneau pour les faire. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ah putain. Ah bah bien sûr, le soir ce serait les quêtes annexes d'Octopass. Plutôt que de faire du Destiny, tu vois. On ferait Octopass le matin, Octopass à midi, Octopass le soir. Ah mon dieu. Ah mais on est reparti dans la portail là du coup. Alors attends. Eh non, il n'y a pas besoin de dos. Voilà. Et dans 3 ans ils seront toujours là, ouais. C'est ça. Ah mon dieu. Ah mais c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Parce que ça veut dire que du coup on a eu tellement une bonne année que bah j'ai pas eu le temps de les faire. Et ça c'est stylé quand même. Ça reste super stylé hein, quand il réfléchit. Il y a tellement de bons jeux que du coup t'as pas le temps de faire les jeux de réserve. Ah t'en as 10? Ouais non, moi il y en a 2. J'essaye de me débrouiller pour n'acheter que ce dont je suis sûr de jouer. Parce que de toute façon après quand t'es pas sûr, alors, vaut mieux pas les prendre parce que bah, les jeux ils baissent de prix. Et tu vois même les deux là, alors, je les avais chopés en solde quand ils étaient à 15 balles, je crois, un truc comme ça. À 15 balles à peu près. C'est dur d'avoir plus bas en termes de prix. Parce que bon, le 10 balles c'est pas assuré. Donc ça valait le coup de les prendre. Mais sinon, ouais, j'achète jamais les jeux que je suis pas sûr de pouvoir faire. Ah bah oui. Non mais de toute façon, ouais, clairement, hein, les jeux à 70€, bon... à part si tu vas à Micromania, ouais, ça existe plus. Maintenant, c'est 45 le prix normal, entre guillemets, en Day One. Et tant mieux, hein, tant mieux. Parce que moi, je peux pas mettre plus de toute façon. C'est hors de question. C'est pour ça aussi, je suis pas pressé de passer sur Next Gen, parce que pour peu qu'on augmente de 10€, j'y crois pas trop, mais que bah du coup Amazon et compagnie ils fassent plus d'offres de fous furieux en comptant sur la masse de produits vendus pour se faire des marges, des bonnes marges, ça risque de pas être bien. Bah ouais. Bah moi c'est un peu pareil, tu vois, il y avait... dans ma liste des trucs à acheter, tu vois, j'ai un Super Robot Tyson et j'ai un Taiko no Tatsujin aussi. Avec le tambour, là. Ah, j'ai bien envie d'essayer ça. Ok. Mais bon, bah c'est toujours pareil, quoi. Vu que j'ai pas de créneau pour les faire... bah j'attends quoi. Donc là ouais faut partir à l'est et après faudra partir au sud. Ok. Je suis quel niveau là? Je suis niveau 15 maximum. Ouais le jeu avec les tambours. Ah d'ailleurs apparemment il y aurait... Il y aurait une localisation en Occident prévue. Hein. Ça a changé de nom au passage. Parce que... je crois que ça s'appelle Droom Droom Master, un truc comme ça, une connerie dans le genre. Attends. J'ai vu ça tout à l'heure sur Gamekyo. Là, il y a 3 noms qui ont été déposés en Europe. Il y a Droom Master, Droom Session et Droom and Fun. Donc, du coup, ce serait Taiko Droom Master, un Droom Session sur PS4.
qui est sorti en octobre 2017 au Japon et en Asie du Sud-Est. Ouais. Et du coup, le troisième, bah, ce serait celui sur Wii U, alors. Sur Switch. Ah, c'est la journée des lapsus. Ah, bordel de merde. Ouais, c'est ça. Un Taiko Drum Master Nintendo Switch version. Qui sortira le 19 juillet au Japon, donc il n'est pas encore sorti, celui-là. Et en anglais, le 9 août en Asie. D'accord, et Taiko Drum Master Drum and Fun a été listé en Australie sur Switch. Ok. Ah, c'est le nom OIS depuis toujours. Ouais, bah je suis pas au courant, moi, du coup, je savais pas ce que c'était. Ah, c'est pour ça que j'avais pas le nom en tête. D'où le Drum Drum Master. Oh mon dieu. Mais du coup, c'est cool si ça arrive chez nous. Mmh... Ah, ils sont faibles à rien. Hein. Ouais ouais, par contre j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de virer les musiques originales pour nous mettre du Britney Spears, du Jules et compagnie. Comme ils avaient fait avec Oendan sur DS là, rappelez-vous. Ah, c'était devenu Elite Beat Agent. Et du coup bah ils avaient refait tout le jeu en fait. Ils avaient mis un style comique au lieu d'un style manga. Et ils avaient mis des musiques locales. c'était pas top. Enfin, c'était pas top. Alors, du coup, si t'en as rien à foutre du Japon, c'était cool, quoi. Mais si tu voulais le jeu original, t'étais baisé. Ouais. Alors attends. Ah, au figuier, je vais lui faire taper sur le gros loup, là. Mais en tout cas, c'est stylé. Si ça sort chez nous l'année prochaine, je pense que ça sortira. Parce que en termes d'adaptation, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Les jeux, ils sont déjà en anglais, de toute façon. Donc s'ils remplacent pas les playlists, ça peut aller super vite. Hein. Wesh alors, tellement. Ah mon dieu. Et si par contre une bonne localisation de jeu de musique, c'était Rhythm Paradise. Ah, où ils avaient traduit toutes les chansons et tout en français, et ça restait stylé bizarrement. Parce qu'ils avaient gardé l'air japonais, tu vois, ils avaient pas changé les musiques. Ils avaient juste traduit les paroles et tout, tu vois. Donc ça passait bien. Ça passait pas mal. Putain, mais j'ai rien pour le mettre KO. Ah, c'est bon. Ah oui, oui. Ah bah tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui serait cool avec un Bandai, c'est qu'ils se mettent à donner un peu plus de pognon dans les adaptations d'animé, quoi. Parce que bah, à chaque fois, c'est plus ou moins le même jeu. Tu vois, ils ont 2-3 archétypes qu'ils appliquent sur leur licence. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a jamais trop de moyens déployés dans le développement, c'est dommage. Alors qu'ils pourraient tellement faire des tueries. Ah ouais, ouais, ouais. Bah dans la version Jap, t'as la Reine des Neiges et tout. Hein. Enfin, je sais pas si Kirei elle est encore là, mais elle en fait de temps en temps. Mais ouais, par contre, s'ils nous mettent la Reine des Neiges, bah ils nous mettront la version US, hein, je pense. Je pense pas qu'ils gardent les voix Jap quand même. Pour celle-là. Mais j'espère qu'ils essaieront pas de nous mettre les versions US des openings d'animé et compagnie. Ah là, ça ferait mal au cul. Ah l'angoisse. Ah t'imagines. Ah mon dieu.
Ouais, lâche. Attends. Je fais quoi? Je prépare le terrain ou pas? En fait, non, il n'y a même pas besoin de préparer le terrain. Ah, lui, il est quoi? Ouais, si, je peux taper des points. Non, c'était pas la peine. C'était tellement pas la peine. Ah, ah, je crois qu'elle est pas bien, l'autre, là-bas. Oh mon dieu. Elle va tellement mourir. Ok. Ah bah non, mais il est déjà mort. Il n'y en a que deux. Ok, et du coup là... Voilà. Mais c'est pété quand même l'exaltation. Alors le fait que ça marche même sur les îles et tout, c'est tellement, tellement cool. Ah mais il faut deux coups. Ah non. Voilà. Et le dernier. Ah, on peut bourrer. Hein. Ok. Mais par contre, il y a des jeux, tu vois, qui où je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est les jeux de CyberConnect 2, là. Ah, les nouvelles licences qui veulent lancer. Enfin, les nouvelles licences. Ah, les trois nouveaux jeux, quoi. Ah, c'est pas des jeux de série connue. Et du coup, ils vont les sortir en... à tout en 2019. Tous les titres en 2019, ils vont sortir à 3 mois d'intervalle à chaque fois. Alors, je sais pas. Ah, ça sent les petits projets quand même. Ça sent les petits jeux. Ah, ce serait dommage. Hein. J'espère que ce sera bien. Qu'il y en aura au moins un de bien sur les trois. Ce serait stylé. Ah, tu sais, comment ça s'appelle déjà? Attends, j'ai noté les noms. À Fugue on the Battlefield, à Tokyo Ogre Gate et Cécile. Les jeux de CyberConnect 2. Après, ouais, je sais pas trop où ils veulent en venir parce que pour chaque jeu, ils vont aussi lancer des mangas qui font office de préquel, je sais pas quoi. Alors je sais pas du coup si c'est le petit projet un peu des petits projets un peu nuls ou si ils essayent de faire trop gros. Le croine des plaines, faut que je le capture lui. Elle est pas faible. L'arc non plus. Ah, le bâton. Ok. Ah si. Ah, le format épisodique est toujours là. Le premier épisode, il ira jusqu'à la sortie de Midgar, a priori. Mais ça, c'est sûr. Parce que à la base, en fait, le développement... Bon, déjà, au tout début, Nomura, il était même pas au courant qu'il était producteur du jeu. Il a su après l'annonce de l'E3. Et du coup... Ah, ils avaient fait une première présentation où c'était CyberConnect 2 qui bossait avec eux, justement. Et du coup, on sait pas pourquoi, ta Square, ils ont décidé de tout internaliser d'un coup et de tout reprendre à zéro. Mais après, en termes de découpage, c'est toujours gravé dans le marbre. Il n'y a pas d'embrouille. Ok, il craint la hache aussi. Alors, okay. Je vais essayer de vous voir à que 42 quand même. Ça tape pas bien fort. Ah, je vais le sonner et là je devrais pouvoir le capturer.
Ah mais les autres ils ont que un en résistance, donc ouais lui ça doit être le mâle alpha quoi. C'est la grenouille alpha. Alors attends, ah, je vais tabasser les autres en attendant. Ok. Par contre la chasseuse, voilà, merci madame. Ah, ok. 3 avec une lance. Je vais voir. Ah là j'ai toujours le Gorei Moussu là. Mais il sert à rien de toute façon, il heal de manière random, allez casse-toi. On trouvera un vrai healer. Ouais ouais, bah ça j'en suis sûr. Et puis de toute façon, connaissant Square Enix, les gars ils ont l'occasion de te vendre plusieurs morceaux d'un jeu et de maxer les bénéfices, mais un truc de fou. Il y a aucune raison pour qu'ils disent ah oui non finalement finalement non, on se transforme en œuf de charité et on va sortir le jeu complet d'un coup. Non. Ça n'arrivera pas. Ah, même si j'adorerais que ça se passe comme ça. Il y a pas d'embrouille. Mais j'y crois pas une seconde. De toute façon, il va mourir. Voilà. Ok. Ah, ça veut pas mourir hein. Ah oui non, je voulais essayer là. Moi ouais, c'est pas grave. Mais du coup ouais, je trouve ça super dommage qu'on puisse pas virer Primrose. Enfin le premier perso avec lequel t'as commencé le jeu. C'est un peu débile hein. C'était comme dans Mario et les lapins crétins. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on était bloqué tout le jeu avec Mario. C'était tellement nul ça. Et là apparemment ils font pareil. Hein. Ok. Ah bah du coup, on va s'arrêter là, c'est 19h02. J'ai faim. J'ai clairement faim. Du coup, bah on continue ça demain. Ouais. Ah d'ailleurs, je suis déçu parce que sur Amazon, au début, ils t'avaient listé le coffret 1.5 plus 2.5 plus 2.8 plus le 3 à 70 balles. Alors moi, je l'avais préco direct, mais ils ont annulé. Ah, j'ai demandé un geste commercial, tu vois, genre un chèque cadeau de 10 euros, ils ont jamais répondu. Salaud. Mais du coup, ouais, c'est la baise. Bah, surtout que... je sais plus si... s'il a un prix maintenant, ce coffret. Parce qu'il doit être bien cher. Hein. Il doit être bien cher, ce coffret. Fais voir. Alors, 1.5 et puis 3, on va mettre, il devrait trouver tout de suite. Coffret bande originale, non, c'est pas ça. Je crois qu'il est même pas en préco en fait. Il y a même pas encore préco. Mais ah, 100 euros ouais, je sais pas, hein, je sais pas. Ah, je dirais plutôt entre 120 et 150 minimum. Et pour peu qu'ils s'amusent à rajouter 2-3 goodies en plus, tu peux facilement monter à 200. C'est Square Enix. Hein. Rappelle-toi les coffrets genre ceux de Bravely Default, FF15, Nier Automata, tout ça. À chaque fois, t'as une petite connerie qui vaut rien, et puis paf, le collector, il passe à 250 balles, t'as pas compris. Alors là, tu vois, pour peu qu'ils te mettent genre un CD avec 3 morceaux de l'OST, ça peut atteindre des sommets assez rapidement. Mais du coup, ouais, bah là, 1.5 et 2.5 et 2.8, là, j'attends qu'ils passent à 15 boules chacun. Et quand ils passeront à 15 boules chacun, je les prendrai. Je les prendrai pour les faire en live si possible avant la sortie du 3. Même si bon, bah c'est toujours pareil. Hein. Niveau créneau, on sait pas trop.
On s'est battu. Enfin bref, du coup nous on se retrouve demain. En attendant, eh ben, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas fait. Et puis bah, passez une bonne soirée. Ciao. Ah bah ouais, mais là faut que je relance les streams du soir, hein. Clairement. Alors... Ah ça joue toujours à Octopus. Hein. Ah bah tiens, il y a Dio sur Super Mario Sunshine. Ah des bisous.